cœur de l'action avec Au Vieux Campeur. Les championnats de France de bloc présentés par EB. Bien, bonjour chers téléspectateurs sur MB Live TV et puis sur les réseaux de la FFME. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ici. Nous sommes à la Baconnière et nous partons pour les championnats de France de bloc avec Cécile. Salut Cécile. Salut Philippe, salut à tous. Alors, le show des Lumières et nous allons avoir la présentation des athlètes. D'ici quelques instants, regardez cette mise en scène. Son et lumière ici à la Baconnière pour cette cinquième édition de Championnat de France. Ils sont dans l'organisation déjà avec des Coupes du Monde. Et donc ce Championnat de France où nous allons avoir d'ici quelques instants les athlètes donc de la finale hommes qui apparaissent avec quelques surprises. Dont le premier d'ailleurs, vous allez voir. Alors vous pouvez faire coucou aux gens dans la salle. À mon avis, certains d'entre vous, vous les connaissez. Regardez, il apparaît déjà à l'écran. Et c'est une surprise, comme on vous l'a dit. C'est bien simple, sur la finale 2018, eh bien il n'y en a qu'un qui revient sur la finale 2019. On le présentera, c'est tout le dernier. Tous les autres, ce sont des finalistes, pas pour la première fois, mais en tout cas, première fois pour celui-ci. Arthur Ternan, qui a déjà été finaliste en Coupe de France Senior, aussi en DIF. Alors on est en bloc, mais... C'est également... 23 ans et le premier athlète qui court en difficulté, l'art des choix. Alors étonnant, hein, ils sont deux, ils sont en famille. Et ce qui est étonnant, voilà, les deux ont réussi à se hisser dans la phase finale. Et ce qui est magnifique. 23 ans et ils sont deux, ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux, difficile de les reconnaître. Voilà, on parlera de Mathieu un petit peu plus tard. Et alors le suivant, regarde, comme il est détendu. Et tu vois ce visage détendu comme ça. Ça promet, parce que voilà, il a été deux fois de champion de France senior, il a déjà été champion de France junior en difficulté également. Et en fait, il n'est pas du tout sous tension sur cette finale, il vient se faire plaisir. Et à mon avis, on va pouvoir compter sur lui. Tiens, qui voilà, le plus jeune, il a été cinq fois champion du monde en junior, en jeune, que ça soit en diff. Ou en bloc, il a été également un titre que tu connais. C'est tout simplement le fiston de Cécile, Sam Abezou, mesdames et messieurs. Et voilà le deuxième des frangins. La même tête, le même maillot. Effectivement, ils ne vont pas nous rendre la tâche facile. Heureusement qu'ils ont des dossards. C'est Mathieu Ternan, lui aussi. L'autre jumeau, c'est effectivement... Les t-shirts. Il y en a un qui a un débardeur, l'autre le t-shirt. Bien ils vu. Sont sympas. Bien vu. Allez, les deux derniers avec l'aîné de la bande. Vous le connaissez si vous suivez l'escalade sur les réseaux sociaux. Ils sont hyper actifs également, participant à des défis tels que Ninja Warrior ou autre défi qu'ils se lancent directement sur les réseaux. Le sourire de Mika Mawem. Et il est le premier français, hein, il est en Coupe du Monde l'année dernière, en top 15. Et voilà, alors lui, il est tout simplement le champion de France en titre. Il représente le team Blockout. Et tout de suite, ça fait du bruit ici à la Baconnière. Et il est là, Manu Cornu, le seul finaliste donc de l'année dernière, puisqu'il est tenant du titre. Il n'a que des challengers en face.
C'est vrai que pour atteindre les finales, il y a 20 grimpeurs qui étaient en qualification. C'est toujours très, très serré. Et d'une compétition à l'autre, la donne peut changer. Et ce qui fait le renouvellement des grimpeurs. Alors, pendant qu'ils disparaissent, je vais aller voir Jérémy Tonneau, qui est tout simplement le chef ouvreur. On va parler ouverture. Donc, il va y avoir une petite interview très prochainement. Les ouvreurs. Voilà. Donc, on va pouvoir voir ce qui s'est passé quelques secondes avant le début de la compétition, le lancement du début. Les grimpeurs étaient tous regroupés au pied de la structure de bloc. Et ils avaient 2 minutes par passage d'escalade pour déchiffrer les mouvements pour pouvoir accéder en haut du bloc. Alors, les grimpeurs vont avoir 4 blocs différents. Donc 4 passages d'escalade différents. Ils auront 4 minutes pour aller au bout de ces passages. Mais avant ça, ils ont pu avoir quelques minutes d'observation pour décoder. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'observer. Les 2 minutes d'observation collective. Les grimpeurs sont au pied des blocs et ils tirent le plus d'informations possible pour pouvoir gravir et valider les différents passages de blocs. Donc on va vous préciser les règles un petit peu plus tard. Mais en attendant, voici Philippe avec un des chefs ouvreurs. Eh bien, tout simplement, le chef ouvreur, je suis avec Jérémy Tonneau, qui emmène donc une bande de 4 personnes avec lui. Vous êtes 5 à imaginer ces blocs ici pour départager les meilleurs Français. Explique-nous un petit peu. Eh bien, du coup, on a un circuit très varié. On a le bloc 1 qui est plutôt sur des sensations d'équilibre et de compression avec beaucoup d'aléatoires. Normalement, on espère avoir 3 à 4 tops. On a le bloc numéro 2 qui est plutôt de la coordination de pieds et de mains avec un deuxième étage plutôt à doigts et aléatoire aussi. On a un bloc 3 qui est plutôt sur du physique et de la grosse compression et un bloc 4 qui est plutôt sur la lecture, l'équilibre et un arrêt contre-pointe sur le début du bloc. Donc là, il va falloir que les athlètes utilisent tout le panel de leur savoir-faire. Certains sont très forts dans certains domaines que tu as cités, d'autres pas. Et c'est ça, justement, votre métier. C'est de mettre tous ces équaliseurs sur une bande de façon à ce que les meilleurs du jour sortent. Et ben, nickel. Merci, Jérémy. Donc, en plus, maintenant, on a le technique. Ce que tu... Merci beaucoup, Jérémy. On se retrouvera, on fera le même exercice en début de finale femme. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Cécile. Eh bien, donc on continue de regarder les blocs. On va pouvoir commencer à expliquer les règles du jeu. Donc, les grimpeurs auront 4 passages différents d'escalade à gravir. Chacun disposera de 4 minutes au maximum pour parvenir en haut du bloc. Pour valider le passage de bloc, le grimpeur devra attraper la prise finale et ramener la deuxième main dessus. Donc, un bloc est considéré comme validé quand le grimpeur arrive sur la dernière prise et met les 2 mains sur la prise finale en stabilisant son corps. Voilà. Après, il y a d'autres petites règles, on va les expliquer au fur et à mesure, notamment les positions de départ. Donc là, on voit des scotch verts sur les prises. Le grimpeur doit obligatoirement poser les 2 pieds et les 2 mains sur les prises correspondant aux 4 scotch verts. Et ensuite, il utilise toutes les prises pour son ascension. Et on voit apparaître la petite horloge, donc en haut, même grande horloge, puisqu'elle est visible par l'ensemble de la salle, et qui signifie tout simplement le décompte, le temps imparti au grimpeur. 3 minutes 30, vous pouvez suivre vous-même, chers spectateurs. Et c'est une forme de pression supplémentaire. Alors, contrairement aux phases de compétition précédentes, là, on va avoir tout le monde une première fois sur le bloc 1. Ensuite, on va passer sur le bloc 2, ce qui n'était pas le cas en demi-finale et en phase de qualification. Où, tout simplement, dans un tact de 5 minutes quasiment, les grimpeurs se suivent. Ça veut dire qu'on peut avoir quelques infos sur ses adversaires lorsque la salle s'agite, etc. Même si on ne voit pas tout, on est de dos par rapport au mur, mais on a quand même des informations. Là, tout le monde est à égalité dans cette finale. Personne ne peut estimer la solution en s'inspirant ou en écoutant ce que fait son adversaire. Donc ça, c'est très important en finale également. Et regardez ces volumes yin et yang. C'est une nouveauté, j'en avais jamais vu. Oui, exactement. Il y a toujours de la créativité dans les prises et ça a son charme. Donc là,
Arthur a déjà fait 2 essais, il entame son 3e, il a validé la position de départ en respectant les scotch verts. Ensuite, il entame son déplacement, donc ces jolies prises yin et yang sont un petit peu piégeuses, puisque le côté blanc, me semble-t-il, semble sans lisse. Grain, ah ouais. Et donc l'adhérence est très limitée. Donc on voit, il favorise la préhension sur le côté noir, là où il y a plus de gras et donc plus d'adhérence. Mais l'adhérence n'a pas l'air d'être extrême non plus. Bon, en tout cas, on salue bien Arnaud et Cécile Ternant, donc les parents de ces deux jeunes jumeaux qui sont en Ardèche et qui, nous pouvons le penser, regardent les exploits de leur progéniture. Du coup, on a expliqué comment valider un passage, un bloc. Donc là, c'est le bloc numéro 1. Pour le valider, il faudra mettre les deux mains sur la prise finale, tenir la prise et stabiliser son corps. Nous avons parlé des prises de départ, les scotch. Donc il faut avoir une position correcte de départ pour pouvoir continuer son ascension. Et il y a une autre particularité, il y a une prise, c'est la prise de zone qui permet de valider un passage intermédiaire. Ici à gauche sur l'image. Elle est matérialisée par un scotch rose. Et donc il va tenter de s'en approcher. Là, voilà on la voit ici. En haut de l'écran à gauche. Donc là, il continue sa traversée en jouant sur l'adhérence, rétablissement en triceps. Et là, il va chercher la prise de zone qu'il tient. Donc la prise de zone est validée. Voilà, il la tient. C'est quoi? C'est une histoire de tempo. Hein. Il la tient plus de 3 secondes ou quelque chose non, comme ça? Non, il faut contrôler. En fait, il la tient de façon contrôlée. Voilà. OK. Allez, 30 dernières secondes. Il faut savoir que lorsque le bip retentit, c'est terminé. Allez, la baconnière ici qui s'enflamme. Et sous les encouragements de Christophe Hardy, le speaker de l'escalade. Donc là, on peut admirer les prises avec différentes textures. Oh là 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 là. Et là, il se grandit. Sur la prise finale, il ramène position contrôlée. Quel show! Juste à temps dans les 3 dernières secondes. Wow, Arthur Ternant qui se met en bonne position là dès le départ. Donc bon. Pour le classement final, ce qui est important, c'est de valider le plus de passages possible. Donc sur les 4 blocs, plus le grimpeur aura validé de blocs, plus mieux il est classé. Ensuite, si il y a des égaux... Donc valider, c'est arriver au sommet. Hein. Ouais, mettre les deux mains sur la prise finale, le top, et de tenir la position. Si les grimpeurs sont ex aequo en termes de nombre de blocs sortis, on les départage sur le nombre de prises zone validées. Donc là, on voit Jérémy Bonder qui entame son premier essai. Jérémy fait partie des grands noms également. Il est détendu. Il cherche un truc inexistant. Il cherche à voir s'il ne peut pas coincer les doigts. Ben voilà, ça, c'est typiquement le truc d'expérience. Bah, Jérémy, pourquoi pas. J'ai cherché une petite prise supplémentaire à arquer. Il est très très fort en doigt. Et du coup, il peut exploiter le moindre petit rebord. Voilà, il arrive à tenir et à tirer dessus. Alors lui, il connaît ce titre. Hein. Il l'a déjà eu deux fois champion de France de bloc. Il faut également savoir qu'il a connu le succès également en championnat de France en difficulté, donc en escalade. Il y a 3 disciplines. Le bloc, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc là, les pans montent jusqu'à 4,20 m, si je ne m'abuse. Oui. Avec ces gros tapis de réception de gymnastique au sol. Donc on n'est pas encordé. Et puis ensuite, la difficulté où là, on est encordé, baudrier. Et on monte jusqu'à 12-15 mètres. Ouais, 15 oui. mètres. Voilà. Et puis la vitesse, un véritable sprint vertical. Et enfin, la combinaison des 3, qui donne donc le combiné. Et ici, Cécile a été vice-championne du monde du combiné en 2012 à Bercy. Et oui, en 2012. Maintenant, c'est un format qui s'est développé, le combiné, puisqu'il y a la perspective des JO 2020, où ce sera le combiné des 3 disciplines.
et notre activité évolue et Paris 2024 ce sera un autre combiné avec la vitesse d'un côté et bloc et difficulté de l'autre. Et d'ailleurs pour la petite histoire, il y a deux histoires en une, c'est que ce monsieur qui est ici à l'écran dont on voit la main qui cherche à s'agripper à ce... à la couture presque entre le volume et le pan. Jérémy Bonder, il fait partie avec Mika d'ailleurs, avec Mika Mawem et avec Manu Cornu d'ailleurs, des finalistes de Paris-Bercy 2016, le championnat du monde qui avait été une immense fête de l'escalade, qui reste un des très grands moments, même à l'international, où d'ailleurs Pierre Youx, le président de la fédération, avait annoncé que désormais l'escalade était sport olympique. Voilà, donc lui, les finales de championnat du monde, de coupe du monde, il les connaît, la pression il connaît. Ceci dit, il y a un championnat de France, ça reste une très très forte pression. Oui, il connaît bien, d'autant plus qu'à Paris 2016, il était en finale et est arrivé cinquième en bloc. Et donc Jérémy, lui, il a eu un parcours où il est passé de la discipline difficulté au bloc. Il a changé en fonction des années. Quand il en difficulté, ensuite il s'est engagé pleinement dans le très performant. Il est très soutenu. Final à son compte. Et ouais. Il m'a dit 20 secondes maintenant. Et il m'a confirmé qu'il gardait le double objectif bloc et difficulté. Tout à l'heure, on a discuté. Allez, il lui reste 15 secondes. Allez, Jérémy. Allez. Voilà. Donc là, il ne voit pas le chrono. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et ouais, parce que la foule lui fait savoir. Oh, ça serait bien. Et c'est bon, et ben c'est dis donc. Voilà, super. Arthur et Jérémy qui jouent avec nos nerfs jusqu'aux toutes dernières secondes. Il ne faut pas qu'ils nous fassent ça tous les six. Là, on va finir les mains. Alors, elles sont déjà moites, mais elles vont fondre. Donc, c'est vrai que ce temps, ce décompte est très important puisqu'ils ont 4 minutes, mais ils ne peuvent pas dépasser d'une seconde de plus. Hein, donc, il faut que tout rentre dedans. Waouh. Bon, le prochain vient d'un grand club de l'escalade française. C'est là où on a vécu les championnats de France l'année dernière, il y a un an, un petit peu plus, un petit peu moins. C'était aussi fin février, début mars. C'est Sam Avezou, ma chère Cécile. Ouais. Médaille de bronze au JOJ. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je commande tout seul ? Bah, d'accord. Non. Non. Regarde. Non, tu nous donnes toutes tes connaissances techniques. Évidemment, vous imaginez la difficulté pour une maman de regarder son fiston. Mais à ce niveau-là, on va nous aussi l'encourager. On est en finale. Bien sûr, oui. Voilà, médaillé de bronze donc au JOJ à Rio. Et puis, il connaît également lorsqu'il était jeune. Donc, il est le plus jeune. Il est jeune, voilà. Il a 17 ans, il est le plus jeune de cette finale, tout simplement. Il a eu de nombreux titres de champion du monde, soit en difficulté, combiné et bloc. Il a 5 titres de champion du monde. Ouais. Et c'est vrai qu'il vient se confronter aux seniors. Il joue toujours avec les seniors, il a le niveau de rivaliser et il a déjà beaucoup d'expérience pour le coup vu toutes les compétitions jeunes qu'il a fait et pour lesquelles il a ramené des titres. Donc tout ça c'est de l'expérience. Il est jeune. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Voilà. Donc là il prend un petit peu de temps, il voit qu'il n'a pas réussi à bien décoder, appréhender ce passage. Il a pris un petit peu de recul pour analyser la situation. Allez, ça. Donc là, le côté grain, pas de grain. Il essaie de faire une adhérence sur le petit point noir, où, là où il y a un petit peu plus de grain, mais la surface est vraiment trop réduite. On a vu que les autres restaient plus sur la partie noire à droite de ce volume-là. En se servant du bras droit et en libérant la main gauche pour qu'elle aille chercher la zone ensuite, la prise de zone. Donc souvent sur les compétitions, les constructeurs de prises s'amusent à faire des prises inédites pour augmenter la difficulté et le côté inédit pour les grimpeurs.
Donc les grimpeurs n'ont jamais fait ce genre de passage avant le moment de la compétition. Ils le découvrent et en plus il y a des prises nouvelles, donc il y a encore ça à... cette couche supplémentaire à gérer, ouais, d'adaptation à avoir. Allez Sam, une minute à fond maintenant. Allez, il va trouver la solution. C'est des choses qu'on a déjà vues, ça, qui ont payé. Donc là, toute la complexité, en fait, c'est de transférer son corps sur la gauche pour pouvoir monter le pied sur la prise en bois et avec du grain noir. Donc, il y a du volume qui vous écarte de la surface du mur et ce qui vous embarque et vous fait tomber. Donc, il faut réussir à négocier ce passage de volume sans trop s'éloigner et en gardant l'adhérence des... Puisque une des règles de base de l'escalade, c'est de coller à la paroi. Hein. Ben pour ce type de surface, là, oui. Voilà, donc là, on le voit qu'il rentre dessus. Voilà. Mais il n'a pas la main assez haut. Et pour prendre de l'espace, pour contourner le volume, il est obligé de redescendre un petit peu. Et du coup, sa main n'est plus suffisamment haute sur le volume. Bon, eh ben écoute Sam, il reste largement de quoi faire parler ton talent. Et ça sera donc Mathieu Ternan, le prochain à rentrer, le jumeau. Le frère, voilà. Le jumeau, et puis ben, on va en profiter pour remercier les partenaires de cette manifestation qui a donc lieu sous l'égide de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade. Et on remercie d'ailleurs MB Live TV pour cette diffusion. Merci également aux équipes de Festivisuel qui œuvrent pour que ce championnat soit diffusé. Et c'est le club Bac au Grimpe ici qui organise aux côtés du comité territorial de la Mayenne ainsi que le département compétition de la FFME pour la gestion sportive. Allez, allez Mathieu. Donc là, il a senti le déséquilibre. Il a voulu y aller en vitesse, en poussant sur la jambe, en se disant peut-être que je pourrais attraper la zone et stabiliser. Mais c'est un petit peu compliqué. Alors, nous sommes évidemment très heureux de pouvoir vous faire partager ces moments. Il faut savoir que ben, je les ai cités, tous les gens qui sont à l'œuvre ici, les bénévoles, qui sont une centaine, hein, nous a dit donc le président de l'organisation. Ici Bernard Chailloux, et bien vivre l'événement dans la salle, sachant que l'entrée est gratuite, c'est encore mieux. On vous invite vraiment à fréquenter les salles d'escalade lors des compétitions, mais également pour vous. Et à ce titre, on va parler du partenariat entre Blockout et la Fédération. Mais là, on a les yeux vissés sur Mathieu. Ah, il a été finalement son bras droit l'encombrait là. Il a voulu donner de l'élan en fait, avec le bras droit pour se redresser sur la jambe. Il ne peut pas se mettre debout directement sur cette prise bois et noir là qu'on voit en dessous des deux volumes yin et yang, puisque ses genoux sont gênés par le volume qui est juste au-dessus. En fait, le volume oblige le corps à se reculer et c'est ce qui... Voilà. Ce qui déséquilibre et fait tomber le grimpeur. Allez Mathieu. Alors j'imagine qu'on a pas mal de spectateurs qui sont complètement néophytes. Et tant mieux d'ailleurs, donc habituez-vous à cette discipline, puisque ça y est, elle est donc olympique pour Paris 2020 et puis ensuite Tokyo 2024. Alors Paris 2020 sur un format combiné, hein, dont on parlait tout à l'heure, où les athlètes vont devoir être capables d'être très bons dans les trois disciplines et le bloc, tel que nous l'avons ici à l'écran, et la difficulté, donc on vous en parlait, et puis la vitesse. Et puis ensuite, à Tokyo 2024, le format a été revu, on va avoir... une séparation entre d'un côté le binôme bloc et difficulté, qui sont souvent des disciplines parentes et qui d'ailleurs sont des disciplines où s'expriment ces athlètes. Et puis ensuite la vitesse à part
où on retrouvera notamment Anouk Joubert qui a été ici avec nous jusqu'en demi-finale mais qui ne sera pas passée en finale et qui est tout simplement la toute meilleure française détentrice d'un record du monde. Allez Mathieu, il faut le pousser dans ses 30 dernières secondes, 20 dernières secondes maintenant. Mais là où je suis surpris, c'est que les grimpeurs ne brossent pas. Ah ouais. Normalement, oui. Oui, alors ils peuvent surtout faire. Là, Alors le brossage qui consiste donc à enlever les excédents de magnésie, donc cette poudre blanche qu'on appelle couramment la POF dans le milieu de la grimpe et qui permet justement d'assécher un petit peu la sudation des mains, la transpiration. Oui, ça enlève le surplus de la magnésie qui ne sert plus à rien, le gras. Voilà, ça permet de nettoyer et de réaugmenter la surface. Et justement, sur ce sursaut de volume là, complètement encrassé, ça serait utile, ouais, tu as raison. Bon, et ben Mathieu qui en reste là. Alors, justement, on demandait tout à l'heure à Arthur et Mathieu lequel des deux avait le plus de palmarès. Et il dit non, mais c'est kiff-kiff. On est en match permanent entre nous. Et voilà, du coup, Arthur qui est passé tout juste en finale. Il y avait beaucoup de prétendants. Hein. Demi-finale, 20 gars parmi les tout meilleurs Français. Et puis, et Mathieu dit non, mais il est complètement capable d'être meilleur que moi en finale. Allez, Mika Mawem. Alors là aussi, une histoire de frère. Marc, c'est comme chez les Aveuses aussi. Hein. Et une histoire de famille. On n'a pas Bassa avec nous. Il doit être devant l'écran. Le salut. Et donc, Bassa Mawem, qui est donc spécialisé. Alors, ils ont tous les deux commencé autour de. En Alsace, là, vers Bâle. Voilà, mais Mika, lui, il voilà, brosse. Lui, il brosse. Voilà. Il y a du métier. Ouais. Et puis, ils sont aperçus qu'ils avaient des capacités. Ils sont aperçus que. Qu'ils aimaient ça, ils sont mis à s'entraîner. Et puis, de fil en aiguille, après compétition, Sylvain Chapelle, l'entraîneur actuel là, du pôle olympique, a demandé à Bassa s'il voulait se spécialiser en vitesse parce qu'il a bien senti le potentiel. Effectivement, c'est payant puisque Bassa est tout simplement parmi les tout meilleurs mondiaux. Et oui, Bassa a remporté la Coupe du monde de vitesse là, 2018. C'est et il a remporté Coupe du Monde aussi, les étapes. Donc il est très très fort en vitesse. Mika est fort également en vitesse, mais il s'est spécialisé dans le bloc. Et il est premier français hein, au niveau mondial en 2018. Il est dans le top 15. Oui. Et aujourd'hui, ils ont une grosse présence sur les réseaux sociaux. Ils partagent leur passion et en fait, leur discours, leur volonté, c'est de ne pas s'adresser qu'aux férus d'escalade, qu'ils connaissent bien, qu'ils tutoient quasiment au quotidien sur des événements comme ça ou à l'entraînement, mais ils veulent aller au-delà. On est d'ailleurs heureux que MB Live TV leur donne un petit peu d'audience supplémentaire parce que, et je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, les frères Mawem. C'est une marque à part entière, les frères Mawem. Et ils se lancent des défis comme ça. Et voilà, ils ont participé à Ninja Warrior, entre autres. Hein, c'est un événement parlant. Vraiment, leur credo, c'est le partage. Et d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, l'isolement a commencé à midi, tout à l'heure. Il était le premier directement à l'échauffement. C'est là que j'ai pu, d'ailleurs, aller le voir et discuter avec lui. Il était tout seul. Ce sont des bosseurs, hein, oui. Clairement. Oui, ils s'entraînent énormément. Allez, Mika. On le voit dans la difficulté là, pour réussir à se redresser sur la jambe tout en gardant l'équilibre. Le gong de la dernière minute vient de retentir. Donc les deux premiers grimpeurs nous ont montré le passage. Enfin, surpris, Jérémy Bondère. On s'est rendu compte de... La complexité du passage des Arthur. Exact. Et on est évidemment très content pour lui. En théorie, là, les autres grimpeurs n'entendent rien. Ils sont dans une salle à part. La plupart, même, de toute façon, se mettent naturellement dans leur bulle en écoutant de la musique. Ils sont dans 20 secondes. Il va tout jeter dans cette dernière bataille. Alors, Mika, qui est en finale de façon... surprise.
demi-finale. Et sur... Et voilà. Oh là 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 là. Les autres l'ont fait dans les trois dernières secondes. Lui, il y reste plus là. De deux minutes. Ouais, le ton est donné. Ouais. Ça y est, tu sais, c'est ce moment où on a la chair de poule là. Ça nous arrive à chaque fois. Manu, il est fort pour ça. Bon. Et ben voilà. Voilà pour le bloc 1. Voilà pour le bloc 1. Bloc 2, allons le visiter ensemble. Donc on voit tout le travail d'appui. Allez, le tir ralenti. Le tir ralenti de Manu. Alors ça c'est voilà, on est en direct et on va passer au bloc numéro 2. On va se faire un petit récapitulatif. Donc là son pied il est posé entre le noir et le blanc. Donc sur la partie blanche ça glisse. Donc c'est la petite famille là qui passe devant nous et qui vont s'installer. Du coup pour ce premier bloc. Trois voilà. Personnes à toper sur les 6. Et applaudissements pour Arthur Ternan, s'il vous plaît, parce que pour le moment, eh ben, il est dans la course, Arthur. Eh ouais, pour l'instant, il imprime sa cadence, Arthur, comme dit Christopher, il est dans la course. Il fait partie. Donc le bloc 2, pareil, la position de départ validée avec les scotch verts. Ouh, un jeu de coordination. Ouais, chers spectateurs, vous allez vous régaler. Regardez ce défi de la biomécanique à la biomécanique humaine que représente cette entrée en matière dans le bloc 2. Donc faut donner de l'élan avec les jambes, bloquer et rebalancer avec le haut du corps après. Donc ce pied droit là, ça... ah ouais. Il n'y a pas le choix, il faut passer par une phase de déséquilibre. Il faut survoler ce... Il y a une petite phase d'envol. Cette marche. Reprise d'appui sur les pieds. Et ensuite, bloqué pour aller chercher. Voilà. Fort, là. Alors, c'est ce qu'expliquait Jérémy Tonneau tout à l'heure, le chef ouvreur, que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Vous allez voir que ceux qui ont été en échec sur le bloc précédent vont probablement trouver celui-ci beaucoup plus à leur goût. Tac. Voilà. Donc là, on voit la prise de zone. Il faut aller la serrer. Matérialisée par le scotch rose. Et il faut la tenir. Donc là, ouais. La prise n'a pas été contrôlée. On ne lui accorde pas la zone. La zone. Donc là, il faut être costaud en fait, en écartant, en s'agrippant entre les deux, ouais. Et en écartant ouais. Les coudes. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir. Une petite... pépite de move signé Romain Cabessu, Julien Gras, ouais. Quentin Boulet, il est presque, et Pierre Broyer. Et ce sont les ouvreurs avec évidemment Jérémy, chef ouvreur des ouvreurs internationaux. Il me semble que Pierre Broyer est en train de valider son stage d'ouvreur, mais les autres sont des ouvreurs nationaux et internationaux. Et donc, ce sont là aussi des travailleurs de l'ombre. C'est un véritable métier, être ouvreur en escalade. Ce sont eux qui dessinent les circuits. Allez, alors que... ici... La difficulté, ouais, c'est de prendre de l'élan, mais pas trop en donner non plus. Donc, c'est... Pourquoi passer au-delà ? Faut doser dans l'intensité, dans le timing d'exécution. Il y a une véritable cible. C'est vraiment complexe. Allez, Arthur. Là, il enchaîne les essais. Dans l'idée de... bien caler tous les temps, mais là dans son élan il donne une petite rotation et voilà, il préfère l'arrêter. Ouais. Il faut être dans l'axe. Ouais. Oui. Et là c'est bon, c'est contrôlé. Là il valide sa zone. Le public est avec lui. Hein. Ouais. Clairement charmé par ce garçon. Oh là 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 là. Et oui, effectivement, il y a des enjeux. Il y a des enjeux, notamment dans cette année pré-olympique de sélection en équipe nationale.
Et ici, sur ce championnat de France, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Oui, c'est sûr que c'est au niveau du championnat de France que les entraîneurs et tout le monde peut voir le niveau, où en sont les grimpeurs, pour voir quels sont ceux qui sont le plus en forme. Sachant qu'on est en tout début de saison. Oui, est même un mois avant les grandes dates internationales, hein, la première grande date internationale. La première étape de... Allez, et prochaine rotation. Donc on voit les brosseurs qui nettoient les prises avant le passage du grimpeur suivant pour le mettre dans les meilleures conditions. C'est pas un métier, mais c'est une grosse mission aussi qu'ont les brosseurs et tous les bénévoles. Donc on voit que Jérémy, avant d'arriver, s'était bien remis le bloc en tête. Il refait une petite visualisation et il mime tous les mouvements pour bien se mettre ça en tête et dans le corps. Et il s'élance. Là, il avait même pas les mains. Là. C'était pour aider oui. À la mémorisation. Et puis se remettre dans ce timing, dans cette gestuelle, c'est vrai que c'est pas ce que Jérémy affectionne le plus. Mais il se lance. On disait avec Jérémy, Mika et Manu, ce sont un peu les grands noms, les anciens de la discipline. Ouais, c'est beau. Hein. Donc là, il se fait embarquer par la partie gauche de son... Ouais, tu vois comme il s'amuse. Direct. Ah, ouais. Et pourtant, sur les... Yes. Oh là là, magnifique. Donc, il a mis la pointe pour empêcher le côté gauche de son corps de tourner. Il a verrouillé avec la pointe de pied gauche. Est-ce qu'il va offrir le match contre Manu Cornu que Alban Levier a offert l'année dernière? Quelle bataille! Ça s'était dénoué dans le tout dernier move. Regarde, il est mort de rire. Il est littéralement, il s'éclate sur cette finale. Le public est avec lui, il est détendu, il n'y a pas d'enjeu majeur. Lui, s'il va en équipe de France, il assumera, évidemment. Il fera évidemment tout, c'est un compétiteur, hein, il fera tout pour être le meilleur. Au contraire, je pense que c'est un objectif. Mais il n'y a pas cette pression des plus jeunes qui ont besoin de faire carrière. Et justement, en parlant des plus jeunes, il y avait 11 nouveaux prétendants sur les 20 en demi-finale. Il y avait 11. Et il va être le grain de sel dans le rouage de Manu Cornu. Ils sont copains en plus. Ils sont extra copains. De toute façon, ils sont tous copains. Ils sont entraînés une famille. Longtemps ensemble. C'est vrai que depuis l'année dernière... Allez. C'est fou comme une fois qu'il a produit un geste et qu'il l'a réussi, et ça c'est toute l'école de l'escalade, il est capable de le reproduire dans les minutes qui suivent. C'est incroyable. Et ça c'est votre talent là, les grimpeurs, d'être capable d'enregistrer cette gestuelle et de la reproduire. Il demande le brossage. Donc là, ouais, il faut brosser, se reposer, parce que finalement la deuxième partie c'est très adroit. Et si tu n'as pas la ressource adroit, ce qui veut dire évidemment ça demande doigts, ouais. Ça demande beaucoup de force dans les doigts, ouais. Il donne carrément les instructions au brosseur. Voilà, il se rapproche un petit peu pour mieux analyser la deuxième partie. Donc il lui reste 40 secondes. Ouais, allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Allez, ouais. Effectivement, il consomme du temps là. Il a regardé le. Moins de 30 secondes, il a regardé. Ouais. Donc là, il s'en est mis la tronche en 10 secondes. Ce sont les cœurs qui nous font rire. Et je pense que vous les entendez en partie. L'enchaînement des essais aussi. L'enchaînement des essais et le sourire. D'ailleurs, je pense qu'il y a connivence complète. Là, ça me semble compliqué de réussir 5 secondes là. Ouais. Et vous avez vu ce 4 minutes sèches. Ce gros plan de la réalisation, tout ça dans les doigts. Regardez, un grand monsieur de l'escalade
Quel plaisir il nous transmet. Ouais, il s'éclate. Ben, je l'ai vu avant de... qu'il parte en isolement pour la finale. Et c'est vrai qu'il m'a avoué me dire, ben là, du coup, je profite du moment, je me donne à fond, je m'éclate. L'année dernière, il a pris la décision de plus se concentrer sur la discipline de difficulté. Et du coup, pour lui, le bloc, c'est du bonus et ça lui plaît et il s'éclate dedans. Et il avait fait l'inverse quand il est devenu champion de France de difficulté. Il était arrivé alors qu'il était bloqueur. Et il avait une voie de finale finalement qui demandait beaucoup d'explosivité. Ça lui convenait bien et il a pris le titre. Sam Avezou. Sam. Allez, qui part donc avec... trouve déjà une bonne solution d'entrée de jeu, mais il part avec le handicap de ne pas avoir validé donc le premier bloc. Et ni la zone. Ni la zone et... On a vu que dans le classement, donc ce qui est important, c'est le nombre de blocs validés. Et après, c'est le nombre de zones validées. Et seulement après, le nombre d'essais pour réussir. Je ne sais pas si on a prévu au François Léonardon, est-ce qu'on a vu des images, le classement qui est passé ? Allez, voilà. Non. Allez, pour Sam, en tout cas, toute la Baco. Allez, juste pour toutes les médailles, ce jeune homme. Donc là, c'est compliqué pour monter le pied. Là, il est. Une médaille d'or olympique, ouais. Ça m'a besoin. Faut tirer. Ouais, voilà. C'est lent. Vraiment télé. Ah, il suscite directement l'engouement de tout le monde. Ouais. Allez. Non. Il restait sur place. Donc quand les grimpeurs restent sur place sans bouger, ils forcent beaucoup et faut prendre du temps pour récupérer. Donc. Ouais, là, il se crispe. Faut éviter, voilà. Rapport à la coupe de cheveux, Cécile, c'est une signature familiale. Non, mais on parle des coupes de cheveux des grimpeurs, mais il y avait évidemment Manu qui avait cette coupe léopard, là, ou tigré, Manu Cornu, avec laquelle il avait fait fureur, et justement à Bercy, évidemment, ça permet de rentrer dans la mémoire des gens aussi. Mais c'est vrai que tes garçons sont identifiables avec ce petit trait, là. Magique, hein. Magique. Du coup, il sera mieux placé, il sera moins tendu sur les pieds. Ouais. Faut qu'il remonte. Ouais, non. Alors, il a une grimace de l'effort. Il demande de brosser, j'allais dire. Il oublie de demander de brosser, c'est surprenant. Voilà. Mais il a aussi le sourire. Ah oui, c'est tout un registre de choses qu'il faut gérer quand on est en compétition. Le temps, le brossage, le repos, enfin, la récupération entre deux runs. Enfin... En 4 minutes, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui. Et puis après, c'est presque une carrière, une vie qui découle de ces quelques minutes. La convergence de longs moments d'entraînement. Allez. Allez, Sam. Dernière minute. Donc, sacrée amplitude. Hein. Ah ouais, il arrivait fort là. Il tenait beaucoup, beaucoup d'élan. Il s'est catapulté. C'est difficile à contrôler après. Non. Non, là, il a un petit peu de mal là sur le début de circuit. Bon, là, il a validé la zone quand même. Hein. Oui. Allez, Sam. Ouais, c'est bien, okay. Allez, 20 secondes. Allez. Allez, 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 voilà, ça c'est mieux. Dommage. Allez, on l'a senti, il était mieux dans le dernier essai, il était plus dedans. Les essais d'avant, je. Ah, mais il a une. Excellente capacité à se remobiliser alors qu'il reste 30 secondes. On peut complètement parier qu'il va finir en beauté sur les deux derniers blocs. On lui souhaite. Allez, pendant cette petite transition, avant que le frangin ternant Mathieu, le jumeau, fasse son apparition ici. Eh bien, on remercie effectivement les partenaires ici autour du club Baco Grimpe, les partenaires de la fédération, d'abord au Vieux Campeur et Béal,
et puis ceux de l'événement ici, la commune de la Baconnière, la communauté de communes de Lernay, le département de la Mayenne et la région Pays de Loire. Et puis vous l'avez vu au tout début et vous le voyez encore avec ces lumières et cette ambiance spectaculaire ici, l'entreprise Créason qui a fait ce son et lumière, assure ce son et lumière de toute beauté. Allez Mathieu. Difficile hein, ce ballon à contrôler. Donc entre les deux premiers blocs, hein, deux styles complètement différents. Le premier qui était tout en équilibre. Et là, il faut donner de l'élan, contrôler l'élan. Et verrouiller. Allez. Allez Mathieu. Alors, donc là, leur montée de pied, voilà, faut remonter, faut pousser sur la jambe. Ouais. Il s'est fait emporter alors que il aurait pu monter le bras gauche légèrement plus lentement. C'est peut-être ce qu'il va essayer ou il n'avait pas le choix. Son pied gauche n'était pas bien placé, du coup, il n'arrivait pas à se remonter dessus. Donc, il a dû agir vite. Et plus fort sur les bras, il n'a pas réussi à accompagner suffisamment avec la jambe. À quoi, hormis beaucoup grimper, vers quel type d'exercice, vers quel type d'entraînement on oriente des grimpeurs de bloc? Il y a beaucoup d'exercices dans l'enchaînement de mouvements, l'explosivité, la coordination en fait. Coordination entre le haut, le bas du corps et après toutes les qualités physiques de force, d'explosivité. Et vous allez voir, ce qui est hyper important évidemment, c'est la souplesse. Et vous allez voir que la grimpe féminine est magnifique. Donc dans certains passages, pour certains passages, la souplesse est incontournable. Si le grimpeur ne peut pas monter suffisamment haut le pied ou aller chercher très très loin une prise de pied, il peut ne pas s'en sortir. Il y a d'autres passages où c'est moins important d'être souple, mais il faut plutôt être très très fort et bien tenir les prises. Ah. Et après, dans ce bloc-là, sur la première partie, la coordination est déterminante. Ah, c'est sûr, il faut agir sur toute une chaîne musculaire, sur deux chaînes musculaires distinctes à la fois. Pour à la fois se hisser et aller s'agripper plus haut. Attention, 30 dernières secondes. On a vu qu'il se passait des choses dans les 30 dernières secondes. Restons. Allez, reprends voilà, sa besace. Il puise physiquement ce bloc-là et quand même très. Il demande beaucoup d'implication physique. Bon. Allez. Du coup, encore une fois, les deux premiers sont bien montés dans le bloc. On va voir ce que fait Mika. Allez, Mika Mawem. Hop là. Ceinture de contention. Ouais. Donc Christopher rappelle que il est en train de se remettre d'une fracture d'une côte. C'est un truc, c'est juste il faut juste attendre pour se soigner. Sauf que quand on a un agenda de coureur de Coupe du Monde, mais on n'a pas le temps de se reposer. Donc voilà. C'est vrai que la côte cassée, c'est sollicité dans tous les mouvements. Et en escalade, c'est sûr que ça doit être douloureux.
Et encore une fois, c'est complètement l'esprit de la grimpe, l'école de l'abnégation. Finalement, on ne fait que accumuler les échecs jusqu'à un succès qui vaut tout l'or du monde dans ce sport-là. Et on y apprend énormément. Parce que du coup, l'échec fait grandir. Ah bah c'est sûr que les grimpeurs doivent apprendre à gérer ça puisqu'ils ne réussissent pas tous les passages. Donc, mais du coup, l'échec n'est pas une notion négative. Pour lui, voilà, c'est déstabilisant, c'est désagréable de ne pas réussir, mais ce n'est pas définitif. Voilà. Et donc, il faut bien rester dans cet état d'esprit-là parce que ne serait-ce sur un circuit, tout peut changer, tout peut basculer tant que le circuit n'est pas terminé. Et lui, il en sait quelque chose puisque cette place-là en finale, eh bien, elle s'est décidée alors qu'on avait commencé les demi-finales à 9h du matin et qu'on a terminé aux alentours de 11h passées. Voilà. Et encore la connivence entre Christopher Hardy, La Salle et Mika. Et c'est maintenant qu'on va l'emmener au sommet. Allez, Mika. Allez, tout le monde se met derrière lui. On a envie de le voir passer cette zone et d'aller se battre pour le podium. Allez, Mika. Oh là 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 là. Quelle démonstration. Bon, allez, passage obligé de faire ça parce qu'il faut qu'il se rende compte aussi de ce qu'il attend. Il devrait le faire plus rapidement la prochaine fois. Il essaye de trouver les solutions une fois qu'il est dans le bloc. Dernière minute, le gong qui l'oblige à tout remobiliser maintenant. C'est bon, le premier enchaînement est là. Il faut qu'il trouve la solution pour aller chercher cette toute petite prise intermédiaire. Alors les blocs, c'est entre, tu disais, 4 et... une demi-dizaine et une grosse douzaine de mouvements. Là, il y en a... potentiellement, ouais, 4-5, allez, 5 mouvements. Il bloque tout, il bloque dans sa défense. Allez, il est bien, allez, c'est là qu'il enchaîne plus vite parce que sinon il n'aura pas assez d'énergie pour le reste du bloc. Ah, Mika. Ah, la remontée sur cette prise inversée toute fuyante est vraiment très complexe. Alors, il faut savoir que nous, Cécile, on est quasiment au cœur de la salle, donc on est complètement plongé au milieu du public. Il commence à y avoir des gens partout, tout autour de nous. Et du coup, on applaudit avec eux. Ouais. Donc, on applaudit pour vous, hein, chers spectateurs. Nous sommes votre présence dans la salle. Et c'est de plus en plus chaleureux ici. Bon, quel va être... Oh là là, les cornes de brume, on se croirait dans un virage sud de stade de foot. C'est vrai que Manu a commencé sa compétition en qualif, ça a été un petit peu difficile pour lui. Et il a répondu en demi-finale en étant très très fort. Et là, sur la finale, il est vraiment bien parti. On sent qu'il est concentré, qu'il est dedans et qu'il a envie d'en découdre. Ah, et puis, on a vu partir des garçons comme Alban Levier, vice-champion de France, Guillaume, Guérand Mondet, qui était médaille de bronze l'année dernière. Bon, on a un peu quelques cadors qui sont en dehors. Et ceci dit, il reste quand même un effort à produire. Alors, c'est de plus en plus compliqué, justement, du fait des noms que j'ai cités, enfin, de ce peloton d'athlètes de très très haut niveau, c'est très compliqué d'enchaîner, d'être très régulier d'année en année et d'enchaîner deux titres de champion de France, encore pire, trois ou quatre. À ce titre d'ailleurs, Fanny Gibert, qu'on verra tout à l'heure, a aussi un enjeu particulier. Mais voilà, là, pour Manu, ça peut être une belle option, cette finale, de faire partie des rares enchaînant deux titres de champion national. Donc du coup, là, Manu prend bien le temps, contrairement aux autres. Ben, c'est-à-dire que lui, il a réussi le passage de coordination du premier coup. Donc il a déjà décodé cette partie. Il prend bien le temps de récupérer avant de se lancer dans le deuxième essai. Allez, on veut le voir tomber. Pour le plaisir, voir tomber le bloc.
Voilà, il fait tranquillement lui. Hein. Allez, évidemment, le plus grand plaisir voilà, des le spectateurs. Le retour des mains, là, sa main droite, la prise est vraiment très très fuyante. Il faut remonter le corps pour pouvoir avoir une meilleure préhension. Ouais. Et a priori, la prise glisse, donc il faut la nettoyer. Le plus grand plaisir des spectateurs et qui soulève les foules, c'est évidemment lorsque tout le monde a échoué, qu'il y en ait un, le dernier, qui réussisse, qui fasse sauter les verrous. Allez, il nous reste une trente, il lui reste une trente. Donc Jérémy hein, est monté assez haut dans le bloc, mais il a validé la prise de zone, mais sans tenir la prise finale. Donc du coup, ça ne se voit pas dans le résultat, mais il est bien monté dans le bloc. Eh oui. Ah ça, c'est... Lui, évidemment, c'est de faire le trou. C'est la différence avec la difficulté, où là, chaque nouvelle prise assurée ramène des points. En bloc, c'est la zone ou le top. Voilà. Tout ce qui est intermédiaire ne compte pas. Il n'a rien d'autre. Allez, Manu, s'il vous plaît, allez. Alors, la réalisation a mis quelques micros d'ambiance dans la salle. Donc, je pense que vous l'avez, l'ambiance générale. Et nous, on l'a dans le casque. Et je peux vous dire qu'on est porté. Allez, Manu. 30 secondes. C'est compliqué. Yes. Donc, ce premier passage-là, il le maîtrise complètement. Allez. Pas confondu, il va tenter de passer autrement. Ah, mais elle est loin là. Allez, là il va pas consommer. Il voulait chanter le mouvement. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était bien de le tenter. De tenter, bien sûr. Ouais. Mais c'était un petit peu court. Bravo Manu. Allez. Bon, eh bien, bloc 3. On reprend les mêmes avec Arthur Ternan qui va venir nous montrer ce qu'il en pense. Et pour l'instant, nous sommes sur ce ralenti de Manu. Voilà, alors, le classement intermédiaire. Donc Manu et Jérémy, le coup d'à-coude attendu et étonnant, Arthur Ternan. Et oui, il a brillamment réussi le premier bloc. Bravo à lui. Donc un bloc sorti, forcément, ça met dans une bonne position. Et Sam, finalement, qui revient bien grâce à cette zone en deuxième bloc qu'il a pris dès le deuxième essai. Allez, c'est parti avec Arthur. Donc un bloc 3. Donc on voit pas la totalité du bloc. Mais a priori, il faut passer le coin et partir. Bah là, on voit le dévers, ouais, le profil suivant après. Ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de ce à quoi les... Voilà, donc on voit la partie déversante. On se rend compte de la composante physique pour le haut du corps et donc tout le gainage qu'il faut avoir pour tenir les prises. Ah ouais, puis là, passer cette arête. Allez, concentration encore une fois. Et là, on a vraiment les six meilleurs, enfin les six plus en forme, hein, parce qu'ils sont tous prétendants à cette finale. Mais d'un ensemble de plus de 100 coureurs, de plus de 100 athlètes chez les hommes, chez les dames également, qui eux sont issus également des strates départementales et régionales et qui prennent les points. Exactement, pour accéder au championnat de France, il faut passer par les phases qualificatives qui sont les compétitions départementales, régionales, il y a des quotas attribués. Il y a au total 100 grimpeurs
sont invités, sont conviés à cette compétition, championnat de France. Et du coup, il y avait deux groupes au niveau des phases qualificatives. À partir de ces 100, 20 étaient sélectionnés en demi-finale. Et maintenant, 6 seulement sont retenus pour les phases finales. Donc le niveau est très très dense. Hein. Et quand on voit tout le côté aléatoire, prise de décision, calage, coordination, d'une compétition à l'autre, le classement peut être complètement différent. Après, il y a toujours des grimpeurs. Donc on voit Manu Cornu qui était déjà présent l'année dernière, qui est encore présent ici, qui arrive à tirer leur épingle du jeu quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que maintenant, dans les circuits de compétition, les ouvreurs essaient de proposer des blocs très diversifiés pour que chaque bloc soit typé et chaque qualité physique ou technique soit représentée. Donc là, il a bien amorcé le début du bloc, passé l'angle. Une minute. Allez Arthur, on lui souhaite le même succès et de rester dans le match là comme il est depuis le début. Hop. Donc là, il faut tenir la porte hein, sur une petite prise. Il y a juste les doigts qui tiennent. Alors cette expression de la porte, c'est en fait le ballon du corps. Hein, et c'est une des composantes majeures à gérer. Alors là, la zone est contrôlée. Et allez, c'est maintenant qu'il faut y aller, lui donner de là. Parce qu'Arthur, si jamais il arrive à sortir le bloc, oh là là. Ça serait en norme. Arthur, le podium est en vue, Arthur. Allez, terminé, mais donc il a validé la zone. Mes zones validées. Bravo Arthur. Jérémy Bonder, qui pour l'instant donc pointe deuxième provisoirement. Attention, on rentre dans les blocs décisifs là. Donc premier bloc, on avait un bloc plutôt en équilibre. Deuxième bloc, coordination et doigts. Et là. Troisième bloc, ça doit être la force. Ouais. Donc la tenue de prise. Donc, pour lui, le passage de l'angle se fait. Il faut qu'il trouve le pied. On voit pas, mais son placement de pied va être déterminant. Bien. Un moment de réflexion, un moment d'analyse. Le provisoire après le bloc numéro 2. Après le bloc numéro 2, il était en tête Manu Cornu, premier. Ensuite, c'était. Allez, Manu. Jérémy. Voilà. Après, c'était Thomas Bezou. Avec son. Sa bonne humeur communicative. Donc là, il s'est bien. Voilà. Allez, on applaudit à chaque fois. Là. Maintenant, bloc 3, on lâche pas. Donc c'est vrai que les grimpeurs, au niveau de la visualisation mentale, ils le font tous pour bien s'imprégner des placements. T'as entendu la formule de Christopher ? Non, j'ai pas entendu. Bonder ne s'use que si l'on s'en sert. Allez, Jérémy, allez. Ça a dû sortir dans un moment off. Une des discussions de soirée lorsqu'on se retrouve à débriefer la journée. J'imagine bien l'ambiance. Allez. Allez, Jérémy. Discute avec lui-même. Ouais. On se rappelle de ces images de Bercy également. Allez, allez. Il y a toujours pas mal
de cette. Ouais, c'est pas mal. Ils n'ont pas été épargnés de ça. Ah. Ah, il a, ouais, le brossage, il a la prise jaune là. Ouais. Il a du monde avec lui, en tout cas, on l'entend dans la salle. Et puis, comment tu la vois, toi, cette sortie? La main, bah là, la main droite sur le volume bleu et après. Bah, tout à l'heure, Arthur a tenté un croisé, mais ça me semblait compliqué. Là, on voit. Ou alors, sinon, tout à droite, ramener, une, mais petite... comme on n'est pas au pied du bloc, c'est un petit peu difficile de se projeter. Il y a cette petite prise. Parce que le croisé là de Café Arthur, ça me semblait compliqué de le tenir. Là, est-ce qu'il peut aller chercher la petite prise bleue là? Il mime l'étonnement devant la créativité de. Des ouvreurs, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire faire? Comment est-ce humainement possible? Allez, levez les bras et tapez dans les mains, s'il vous plaît, à Macron, tout le monde! Allez! Faites la fête, soyez heureux, il y a trop de gens qui se sont. Ah, voilà, allez! Nous, on profite de ces voilà. Finales, c'est ça! Oh. Ça, c'était bien à faire et c'est incroyable qu'il le fasse à la fin, on peut l'applaudir! Là, il demande si la zone est validée. Tout n'a pas été utilisé non plus ou vu. Eh bien, on va voir à l'affichage si elle est validée ou pas, parce qu'on n'a pas eu l'info du côté des... Ah, la zone est validée, nous dit Christopher. Voilà, on a la réponse. Hop. Bravo, Jérémy. Ouais, au dernier... Dernier essai. C'est important. Ah, bah là... Allez. Donc, il s'est renouvelé, il a cherché de nouvelles solutions pour... atteindre et tenir la prise de zone. J'adore le voir grimper. Il dégage quelque chose, Jérémy. Très expressif, oui. C'est absolument génial. Hop là. Disparaître du champ. Sam Avezou. Ah, sur une cornemuse. Oh là là, il a résisté. Il faut bien tenir, ouais. Ouais. On le voit délayer, demander le brossage. Alors, on pourra communiquer avec les trois sur le podium avant de rendre l'antenne. On marquera un temps hein, avant de retrouver la finale dame et ce sera Christopher d'ailleurs qui viendra les interviewer. Donc là du coup pour tenir cette petite prise bleue faut tenir voilà là il fait l'effort. Allez. Voilà. C'est beau, ça c'est super beau. Allez, ça. Voilà. Et là, pour aller chercher la petite prise de pied, c'est... Oh, c'est un peu dur. Alors, ces matelas-là, ils sont épais de... C'est du matelas gymnastique, mais c'est les plus épais qu'on trouve. Hein. Ils doivent bien être épais de 40 ou 50 cm. Oui. Mais ils tombent de haut. Hein, Et parfois, ils tombent de très haut. Il faut quand même savoir que le corps encaisse. Ça fait partie aussi du métier. Évidemment, lorsqu'on voit la puissance des grimpeurs, on imagine bien à quel point ils sont gainés. Oui. Mais il peut y avoir, c'est très très rare, mais il peut y avoir une torsion de cheville à l'atterrissage ou quelque chose comme ça. Évidemment, il faut s'en prémunir. En tout cas, mesdames et messieurs, nous vous invitons à vous rendre dans votre salle d'escalade la plus proche et d'aller demander aux encadrants diplômés de vous donner les bases et ensuite de vous éclater. Donc pour aller chercher. Ah oh, non, ouais. Parce que c'est un sport magnifique et une école de vie digne d'être vécue. Mais voilà, là où peut-être d'autres, les ternants, aller chercher plus loin, lui,
Ah, d'ailleurs, tu sais que je suis assez actif dans le cyclisme, mais on a beaucoup de cyclistes qui font de l'escalade, notamment dans le VTT, parce qu'ils gagnent le haut du corps également beaucoup. Et à ce titre, je fais un petit coucou à mon ami Michel Lettenet, qui s'est blessé hier en bloc. Ah mince. Et qui est donc au repos. Puis on a des garçons comme Théo Galli, qui est un immense champion et qui s'entraîne beaucoup en bloc également. Allez, les 30 dernières secondes. Même pas pour aller chercher la prise de zone. Ils vont faire le trou là. Allez. Là, il se remonte bien son pied pour gagner un petit peu. Ouais. Oh, papa. Allez, Sam. Allez, dur, dur. Ouais. La finale, là. Bon, il tenait une quatrième place provisoire. À voir comment ça se conclura. De toute façon, rien n'est joué à ce stade. Pour ceux qui suivent régulièrement des finales de championnat de France de bloc, et notamment, si vous voulez même vous les retrouver, ils sont en ligne, notamment via le site ffme.fr. Et en l'occurrence, vous verrez un petit peu le scénario de l'année dernière. C'était complètement fou dans le dernier bloc. Mathieu Ternant, alors que tout Tournon en Ardèche est derrière les frères Ternant. Je pense que la mairie là-bas a dû faire un communiqué officiel pour que la vie s'arrête, tout le monde se mette devant ses écrans. C'est un événement. Oui, mais c'est vrai, on voit beaucoup de frères dans les grimpeurs. Au plus haut niveau, c'est vrai que c'est une chance en fait d'avoir un partenaire d'entraînement. C'est ce qu'expliquait Mickaël par rapport à Bassa également. Ouais. Ils se boostent l'un l'autre et c'est ce qui leur permet d'être encore plus forts. Bah, typiquement, alors je sais pas comment ça se passe entre Léo et Sam, mais là chez les Mawem, le truc c'est qu'ils ont 6 ans d'écart. Et donc évidemment quand tu t'appelles Bassa et que t'as Mickaël qui pousse derrière. T'es l'aîné, quoi. T'as envie d'assurer ton rôle de grand. Mais quand t'es le plus jeune, bah ouais, t'as envie de lui mordre les talons à l'ancien. Donc voilà, c'est évidemment un super... Ah ouais, ça donne une bonne ambiance. Voilà. Une bonne façon de progresser. Il se booste, exactement. Encore que ce que m'expliquait Mawem, c'est qu'ils sont... Mika, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans le... dans la façon de trouver les solutions et ensuite de la partager. Ah bah j'ai réussi, donc en faisant comme ça, bah toi aussi essaye de la même manière et réussis, que dans la compétition réellement. Ah oui, oui, c'est ça en fait, ils échangent beaucoup et si, c'est challenge, mais c'est dans le bon sens du terme. Voilà. Allez. Allez Mathieu. En partant d'en bas comme ça, sans négocier le passage de l'arête, de l'arête, ça me semble un peu compliqué. On sent qu'il se creuse la tête là. J'aime beaucoup le travail d'analyse. Voilà, c'est vrai que chez les grimpeurs, et ça se voit encore plus au niveau du bloc, il y a toujours un temps où ils grimpent, un temps où ils prennent les informations, ils analysent, ils cherchent les solutions, et un moment où ils repartent dans la grimpe, quoi. C'est-à-dire qu'en plus d'être méga physique, c'est également cérébral. Exactement. Recherche de solutions, visualisation mentale. Et donc, pour le coup, épuisant aussi. Parce qu'on sait que le cerveau consomme. Allez, on peut l'applaudir, ça va être l'un des derniers essais pour Mathieu Ternant. Allez Mathieu, cette saute ferait tellement la différence sur ce bloc. Allez. Voilà, ça c'est bien fait. Voilà, il aborde un peu mieux maintenant le bloc. Allez, 30 secondes pour aller chercher la zone. Secondes. Allez. Donc ce qui est très très complexe en fait, c'est que le petit pied bleu que Jérémy a réussi à poser tout à l'heure est très très loin. Et en fait, pour pouvoir aller le chercher, il faut vraiment avoir passé l'angle sans avoir trop de pieds pour pousser dessus, quoi. Le pied gauche est
Et, en fait, là, pour un néophyte, ce qui est très clair... Là, il a un appui. Ah, voilà. Et ben, c'est ce que j'allais dire. Il faut conserver un appui du côté gauche. Pour l'arrête. Ouais. Pour réussir à replaquer. Replaquer, voilà, côté arrête. Bon, Mathieu, eh bien, écoute, à suivre donc dans le bloc 4. Et puis, voici Mika Mawem. Le grimpeur de BO. On a vu Mathieu qui a trouvé la solution vraiment tardivement et ça a été un peu trop tard pour lui. Il aurait trouvé la solution 15 secondes avant. Il y avait moyen qu'il remette un essai et qu'il aille peut-être chercher la zone. Et c'est là où cette petite minute en moins par rapport au demi, bah, il a donc là, il tient tout de suite bien la prise de main. Il devrait trouver le sujet un peu plus rapidement. Allez, Mika, après, ça va être avec la douleur de sa côte. Voilà. Directement. Il prend appui sur l'arrêt. Ouais. Allez, Mika, regardez la résistance de Mika. Il allait ouvrir sa main et saisir toute la prise dans sa largeur. Oh, papa. Alors, au commentaire en salle, vous avez à côté de Christopher également Sylvain Chapelle, l'entraîneur donc, du Pôle France Olympique, qui livre également quelques petites analyses, notamment sur le run de Mathieu, qui est finalement, dans les toutes dernières secondes, avait trouvé la solution. Donc l'analyse de Sylvain, c'est que effectivement, c'est la même que la tienne d'ailleurs, c'est d'aller chercher à mettre ce pied et à trouver effectivement à se retenir côté gauche de l'autre côté de l'arrêt, alors qu'il n'y a pas de prise, mais en plaquant le bras. Allez Mika. Donc Mika a trouvé directement ce mouvement de compression. Et connaissant sa puissance, ça peut... Oui, ça peut passer, donc il va prendre le temps de récupérer. Et il demande la brosse pour brosser lui-même. Il demande toujours à brosser lui-même. C'est un indice, d'ailleurs, hein, qu'on disait qu'ils sont particulièrement bosseurs et... Et bien en fait, ils sont bosseurs et ils aiment contrôler les tenants et les aboutissants de l'exercice. Allez, tapez dans les mains, la Mako. Allez, we will rock you pour motiver Mika Mawem. Ouais, on le voit encore chercher, pas convaincu par ce qu'il doit mettre en place pour sa place. Une 30. Alors les amis, si vous êtes sur le live sur la page Facebook de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, vous pouvez évidemment laisser des messages et encourager les athlètes. Et puis tout simplement également les chercher sur leurs différentes pages ou comptes sur les réseaux sociaux et les encourager. Donc la dernière minute. Maintenant que vous êtes des aficionados de l'escalade, que vous êtes des mordus, bien vous allez suivre tout ce petit monde jusqu'aux étapes olympiques. Donc 2020 à Tokyo, 2024 à Paris. Les têtes que vous voyez ici vont vous sembler familières au fil des compétitions. Et puis, il y aura d'autres streamings. Il y aura de l'escalade à suivre. Restez informés, donc, via la page Facebook de la Fédération. Allez, Mika, 20 secondes pour... Donc là, le but du jeu, c'est d'aller valider la zone pour marquer des points. Ouais. Allez. Allez. Allez, c'est maintenant. Là, il va envoyer sans ramener la main, mais ça passe pas. Ah, il n'a pas mis le pied, donc ça ne pouvait pas passer. Ouais. Il n'avait pas le choix que de se lancer. Quel combat, Sylvain. Et ouais. Bon, le dernier à passer, Manu Cornu pour... Alors, on fait des pronostics ou pas alors? Eh ben... Moi, je l'aurais vu sortir la précédente. Et il n'était pas loin, mais Jérémy avait gagné quelques encablures de plus.
Allez, oui. Allez, il va le sortir. Il le sort. Allez, on a envie. De toute façon. Là, on peut dire qu'il a quand même un boulevard. S'il y en a un qui doit le sortir, c'est lui, puisqu'il est le dernier à passer. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui. On a eu ce matin Mika qui a sorti le bloc 4 à la dernière seconde. C'était le seul. C'était le seul et c'est ce qui lui a ouvert les portes de la finale. Exactement. Alors, Manu. Allez, Manu. Ouais. Je dirais que s'il le sort, le titre est quand même sacrément à portée de main. Hein. Donc là, directement, il trouve... Ah, il va faire un crochet de pointe. Alors là, ça ne va pas être facile. Il faut tenir avec la main pour que ce soit validé. Ah, il a fait un beau départ. Ouais. Où directement, il a lancé les mains, main droite sur la prise jaune et main gauche en appui. Alors, il contrôlait... Il se tenait sur cette prise, mais avec le pied, effectivement, et ça ne valide pas la zone. Hein. Non. Soyons clairs. Il faut contrôler avec la main. Là, par exemple, parmi les femmes les plus souples sur le circuit, tu penses que il y en a qui peuvent aller qui sont capables d'aller mettre la main et le pied. D'accord. Et vous allez voir ça tout à l'heure. À partir de 15h30, donc la finale féminine, avec parfois réellement des mouvements de danse verticale. C'est absolument fabuleux. Et puis une belle mise en scène là, avec ce mur rouge, ces dalles rouges. Donc là, on voit la précision. Vous ne voyez pas la prise de pied en fait, tellement elle est petite. Il refait sa technique, mais s'est fait embarquer. Passage vraiment complexe, hein. Passer l'angle et après partir dans une section très très physique. Pas évident. Alors ce qui est génial aussi dans l'esprit de la grimpe et dans l'esprit de cette famille de grimpeurs, c'est qu'ils vont se retrouver après la compétition, ils vont en discuter, ils vont encore discuter des solutions. Mais comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Ah, t'as fait ça, mais ouais, t'es pas allé jusqu'au bout. Et peu importe d'ailleurs qui aura pris le titre à la fin, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le problème qui leur aura été posé qui va rester en mémoire. D'ailleurs, allez, le pied. Allez, Manu. Le problème de la prise bleue. Ah, là, c'était pas mal. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour récupérer et refaire un vrai essai. Mais il va le faire. Voilà, il a senti que c'était possible. Bon, est-ce que c'est le moment où Jérémy reprend un avantage? François Léonardon, tu pourras venir nous voir là après le bloc 3, parce que là, Et voilà, Christopher a les mêmes questions que nous. On est en train de sentir que le match peut basculer. Alors là. Alors attention là. Ah là, c'est technique, c'est tactique. Alors là. Est-ce qu'il a validé? Il a été au contact sans la tenir et il demande si c'est validé. Oh! Donc nous, on va rien dire, on va attendre les décisions du jury. Alors là, cas d'école. Pour Xavier Yvonnet, président de jury. Quoi? Je préfère te le rappeler. Dommage d'en prendre un deuxième et que ça se transforme en rouge. C'est le footballeur qui attend. Attention. Alors, du coup, là, on va attendre les instructions. C'est ça. Pour l'instant, je pense que Christopher les aura avant nous et qu'il va nous le faire savoir. Et alors, éventuellement, ça peut conduire à une pénalité quelconque s'il fait quelque chose. Parce que là, il. Il ne sera plus jamais ami avec Manu Cornu. Il ne faut pas accepter.
Donc là, François Léonardon, c'est intéressant parce que vu qu'il y a eu... Alors, on écoute ce qui se dit parce que François Léonardon, qui est donc... Du coup, Jérémy Bonder. Qui est donc... Jérémy Bonder passe devant. Ah oui. Ah, c'est ça. Bon. Allez, on est dans le bloc 4. On n'a pas eu, chers spectateurs, pour l'instant, reste en suspens. Donc, si Manu Cornu a validé ou pas la zone du bloc précédent. Pour l'instant, nous ne nous prononçons pas là-dessus. On a essayé de glaner les informations que François Léonardon, donc, qui est en charge du jury du côté de la Fédération française de la montagne et d'escalade. Mais bon, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs, il y a un petit traitement au sein du jury. Et nous aurons l'information. On découvre le bloc numéro 4. Là, la structure, les orientations, c'est un petit peu difficile de voir, en fait. C'est qu'un chaos. C'est passé en tête, messieurs dames, Arthur Fernand 2 et Manu Cornu 3. Voilà, donc là, tout est remis. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, on voit les prises de départ, la prise de zone sur le triangle, le petit triangle bleu sur la droite. Et le profil de ce bloc, et il y a de la dalle. Donc du coup, Arthur a l'air un petit peu indécis sur la méthode. Si jamais il le sortait, là il plante tout. Hein. Donc Jérémy Bonder en tête, Arthur Fernand 2. Arthur Ternant, qui était quand même pas un des grands noms attendus, on va le dire tout à fait honnêtement, sur cette compétition qu'on a vu parmi les 20 demi-finalistes tranquillement faire son bonhomme de chemin, qui rentre en finale, 6e qualifié sur 6, et qui est en train, pour l'instant, d'être 2e en abordant le dernier bloc. Là, il touche du doigt le titre de vice-champion de France. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que tous les athlètes ne sont pas au même moment dans leur préparation. Ils n'ont pas tous les mêmes échéances, les mêmes objectifs. Donc, il y en a pour qui le championnat de France est une échéance majeure. Et il y en a pour d'autres qui sont projetés sur les Coupes du Monde et d'autres compétitions qui sont un petit peu plus tard et qui sont encore en préparation. Donc, ce n'est pas forcément la même... Ils ne sont pas au même niveau de préparation. Oui, et puis il n'y a pas les mêmes priorités. Et après, mentalement. Et, après, et puis, je pense que quand on est un challenger et qu'on n'a rien à perdre, qu'on vient là pour s'amuser ou pour se défier soi-même ou pour se dire, voilà, je fais un bon résultat, eh bien, alors... Mais c'est vrai que la façon d'aborder la compétition est importante. Et du coup, le fait d'être là et de jouer à fond sa carte, ça paye tout le temps. Alors, pendant que les speakers et le DJ s'enflamment littéralement ici dans la salle François Legrand, eh bien, il reste bientôt 30 secondes à Arthur. Et alors, mesdames et messieurs, Jérémy Bonder est en tête pour l'instant. Voilà qui est donc celui qu'Arthur Ternant, 2e, et Manu Cornu, 3e, à ce stade de la compétition, et Sam Avezou, toujours 4e. Absolument incroyable. Bon, ça va être compliqué, 10 dernières secondes pour Arthur. Il aura fait en tout cas un superbe match. Il va attendre le dénouement des copains. En tout cas, il rentre, voilà, vous l'avez à l'affichage, regardez. Alors, il va finir avec deux petits carreaux rouges sur sa ligne, là, Arthur Ternant. Mais c'est en tout cas une excellente finale que nous a livré Arthur Ternant. Allez. Eh bien, il est leader pour l'instant. Jérémy Bonder, il est leader de cette finale. Lui qui vient en n'ayant strictement rien à perdre. Il y va détendu et voilà. Et voilà, c'est la recette. Et il va falloir que Manu Cornu se remobilise.
en se détendant également, en y allant pour le fun. Ce sera une bonne leçon pour Jérémy, parce que l'année dernière, il a entamé sa carrière plus en diff et il abordait les compétitions un peu stressé, un peu sur la retenue. Et le fait de refaire une compétition comme ça dans une autre discipline où il y va détendu, il pense juste à grimper et à valider les passages, hein. Et ben ça le porte plus. En fait, il faut qu'il garde ça en tête. C'est ça, il faut se mettre dans des conditions psychologiques de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Il a déjà deux titres de champion de France en bloc. C'est pas son objectif 2019. Il nous fait une Petra Klingler. Ouais, il s'étonne que la ça pointe, tienne. Exactement ça. Mais c'est ça, voilà, se laisser porter, s'émerveiller de ce qu'on peut faire et se laisser surprendre et continuer à avancer comme ça. Il y a eu des. Il y a toute une histoire qui a défilé dans ses yeux de oh, mais je suis encore là. Eh bien, il faut retourner. Il faut continuer, voilà. Il faut continuer. Allez, continuer au moins, être exigeant. Au moins, chercher la zone. Voilà, oh parfait. Là 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 là. Il est magique. Allez, ah, c'est pas contrôlé, allez. Ouais. Donc là, il faut peut-être passer en appui sur la prise de zone pour empêcher de se faire emporter. Allez. Donc là, il a décodé le premier passage. Il est avec... à fond. Il est à fond. Il y a toute la machine bondaire qui se met en route là. Il donne les instructions. Nettoyez ici. J'analyse. Je vais aller m'agripper là. Allez, il est capable de le faire. Allez, Jérémy, il y a un titre de champion de France pas loin. Et t'auras pas de regrets, quoi qu'il arrive. Allez, c'est magnifique. Rien n'est joué, hein. Mesdames et messieurs, tout est ouvert. Tout est ouvert. Arthur Ternant, Jérémy Bonder, Manu Cornu. Allez, hop. Un Mika Mawem qui peut revenir dans la course également, évidemment. Non, normalement, la zone, je pense pas là. C'était pas contrôlé. Qu'est-ce que raconte Christopher? Allez. Allez. Allez, c'est bien. Allez. Doucement, là. Doucement. Où est-ce qu'il faut qu'il ramène ce pied? Le pied gauche, là. Oh, c'est ça la solution? Là, il veut le faire en compression sur les deux volumes. Je sais pas. En fait. On n'est pas assez près et on voit pas la 3D je en vois fait. Pas bien, hein. ouais. Voilà. Donc nous sommes derrière un écran, hein, mesdames et messieurs. Je me demande si un appui de paume ferait pas bien l'affaire, mais je. Allez, on est à 45 secondes du titre ou pas. Alors, d'une possibilité de titre. Il en a déjà deux. Pour l'instant, il est le mieux à ce stade, mais il faudrait qu'il aille prendre juste les points au moins de la zone. Allez, Jérémy. Si personne ne prend la zone, il est devant, mais il ne peut pas courir ce risque. Il y en a bien un qui va prendre la zone. La puissance d'un Mika, l'agilité d'un Manu Cornu. 5 secondes, il ne va rien lâcher, mais ça va être compliqué. C'est terminé et tout le monde l'applaudit et nous avec, évidemment, regardez, immense champion. Jérémy Bonder quitte la scène et il peut être satisfait. Il aura livré une très très belle bataille à ce stade, il peut sortir du podium. Il peut sortir complètement du podium, tout autant il peut être champion de France. Rien n'est joué. Ça va être fou. Mesdames et messieurs, le dénouement de cette finale masculine va être complètement endiablé. Elle l'est déjà. Ah, c'était là. C'était là que quelque chose pouvait se faire. Bon. Alors, il va regarder les copains grimper. Sam qui fait brosser également. Sam Avezou qui fait nettoyer les prises avant de s'élancer. Et qui a déjà consommé une demi-minute à ce rythme. Alors à côté de nous, Jérémy et Arthur en discussion, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en train de se dire, bon, comment on fait? Et donc ils vont regarder avec grand intérêt leurs adversaires, leurs copains. Et c'est parti pour Sam. Donc la pointe ne se met pas dans le mouvement.
mais il a compris que c'était comme ça que ça devait passer. Jambe tendue ? Ouais, jambe droite tendue comme ça ? Et la jambe gauche, en fait, qui retient. Ah, d'accord, c'est ça. Avec le crochet de pointe sur le volume. Alors, dans la pénombre, là, vous l'imaginez à l'écran, la salle est bondée. Et avec du monde debout, avec du monde contre les murs, tout au fond. Je vous jure, ils ont envoyé des photos toute la semaine. Allez, Sam. C'est ça, comme dans le nord, le soleil est dans le cœur. Allez, Sam, allez. Hop là. Alors là, ça compte pas comme un essai, par exemple. S'il est pas sur les... ouais. Il a glissé avant d'être sur les prises de départ. Mais il a décollé les deux pieds. Ah mince. Ok. À partir du moment où le grimpeur décolle les deux pieds, c'est un essai. S'il ne met pas les deux pieds, deux mains sur les bonnes prises, on le fait descendre et on lui compte un essai supplémentaire aussi. Allez, Sam. Allez, Sam. Allez. Oh, yeah. Allez, ah. Lui aussi, on aimerait le voir dans la réussite, Sam. Le plus jeune, 17 ans. C'est le seul qui ne soit pas encore majeur, là. Et qui n'est même pas 20 ans. Le plus jeune suivant a 23 ans. Ce sont les frères Arthur et Mathieu Ternan. Donc, pour vous... pour vous dire un petit peu le champ d'ouverture qu'il y a devant lui. Et la baconnière qui lève les bras. Et c'est le feu ici à la baconnière pour Sam Avezou et pour tous les grimpeurs. Il reste 45 secondes. Allez, Sam. Dommage, il avait trouvé le crochet de pointe. Il s'était calé. 40 secondes. Allez, il va se battre, bien sûr qu'il va se battre. 40 secondes, c'est faisable pour aller chercher la zone. Lui aussi, il est dans le quatuor capable d'aller chercher le podium. 25 secondes. Allez. Allez, oui, c'est solide. Oh, ah, il sent que ça lui échappe. Mesdames et messieurs, allez. Allez, il retourne, bien sûr. Bien sûr, il entend 20 secondes. Oh là là. Eh ben on peut l'applaudir, 5 fois champion du monde, médaille de bronze olympique. Voilà, mesdames et messieurs, il quitte la scène lui aussi par la grande porte. Il aura fait un très beau parcours sur ce week-end. Pas de regrets. Bon, on s'approche du dénouement, mesdames et messieurs. Mathieu Ternan, qui n'a plus rien à perdre, qui a tout à gagner à aller donner tout ce qu'il a dans le ventre et qui va le faire, c'est sûr. Ne serait-ce que pour répondre à son frère Arthur, qui pour l'instant est en train de prendre le large là dans le classement. Deuxième provisoirement. Et attention à ne pas se faire embarquer. La pression qui monte pour déterminer le podium dans ce tout dernier bloc. Donc pour le coup, là, on l'a vu faire des mouvements avec sa jambe. Là, la souplesse est importante dans ce bloc-là. C'est un circuit très très complet, très exigeant. Du coup, les grimpeurs ont été un petit peu, beaucoup en difficulté. Et ouais, complètement sortis de leur zone de confort, évidemment. Exactement. C'est le principe. N'est pas champion de France qui veut. Allez. Alors, vous ne l'avez pas à l'image, mais à côté de nous, à côté de notre poste, eh bien, nous avons les trois sièges des médaillés provisoires pour l'instant. Et c'est Jérémy Bonder qui est assis au cœur de ces trois sièges. Et donc, on va avoir eh bien, des interviews. Ça y est, voilà. Avec ce plan, on l'a vu. Allez. Allez, Mathieu. Et il y a Bass qui regarde son frère là sur ce streaming de l'autre côté. Je pense qu'il en doit être à demi encore. Allez, ça sera 2 minutes. Il a balancé la moitié du temps réglementaire. Allez, Mathieu.
Ouais, ouais, ah. Oui. Ouh. C'est une des clés. Allez, quand ils commencent à brosser eux-mêmes les prises et les volumes, c'est qu'ils sont déterminés. On l'a vu avec Jérémy. Ils veulent garder le contrôle. 1:30. Allez, Mathieu, jette tout dans l'arène. Allez, tournons. C'est le moment d'envoyer des vibrations ici en Mayenne. Ah là, il y a un os. Hein. Ouais. Là, il y a un os. Bah, Jérémy l'a bien perçu, décodé. Mais ouais. il s'est quand même fait embarquer. Dernière minute. Allez, Mathieu. Alors, mesdames et messieurs, si vous découvrez ce sport, nous sommes ici en finale donc, du championnat de France d'escalade de bloc. Avec les hommes et la catégorie des dames s'élance à 15h30 et vous allez voir que tous ces blocs vont être remaniés par les ouvreurs, donc par ceux qui dessinent ces voies et ces obstacles. Donc un rideau va être tiré pendant que nous couperons la diffusion devant ces pans. Du coup, le fait d'attraper le volume avec les deux mains, le volume noir avec les deux mains, peut faire une rotation et du coup, ça l'éjecte vers l'extérieur. Il peut pas tenir. Bravo Mathieu. Bravo les frères Ternant. Belle apparition sur cette finale de ces championnats de France 2019. On vous retient. Bravo les jumeaux. Ouais, super. Hein. Ouais. Belle entrée deux frères en finale de championnat de France de bloc. C'est ça. Belle histoire. C'était beau. Hein. Mika Mawem. Voilà, et Christopher qui fait un coucou également à la maman de Bassa et de Mika. Allez, il y a une musique. Oh, yes, c'est direct. Magique. Allez, c'est magique. Il est en train. Il s'est bien plaqué. Il est peut-être en train. L'important, c'est d'aller là-bas. Il y a cette musique qui vient au rythme des pulsions cardiaques, là. Entraîner le public. En tout cas, c'est prometteur pour un bon petit départ. Ouais, il a trouvé des solutions jusqu'à la prise de zone. Ah, c'est tout en traversée en plus, hein. Il va falloir franchir en diagonale l'ensemble du volume là, l'ensemble du bloc. On la voit bien là sur ce plan, la prise de top, l'arrivée. Suivre quasiment la diagonale. Allez, il crochette, il va essayer de s'allonger de tout son corps là probablement pour aller. Verrouiller doucement. Oh là 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 là. Donc il ramène son pied. Et il est en train de ramener son pied. Ouais. Et la baconnière s'enflamme. La salle, François Legrand. Oh, la solution serait-elle là? Ouh. Oh là là. Ah, ne pas se précipiter. Allez, Mika. Bon. Allez. 1 minute 40 pour un dénouement. Et puis on salue les copains de Biop à Clermont qui sont derrière Jérémy. La bande à Benoît Hens a été le premier champion de France de combiné.
de l'histoire. Allez, il faut le faire, c'est prometteur, allez. Allez, ici c'est le feu à nouveau pour Mika. Tout le monde le veut, tout le monde y croit. Allez, il lui reste 50 secondes, c'est jouable encore. Oui, il lui reste encore du temps. Oui, avec ce qu'il a réussi à produire jusqu'à présent. 40 secondes. Allez, 30 secondes, c'est maintenant. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, oh là là. Est-ce que comme en demi-finale, il va être capable, dans les toutes dernières secondes, de faire basculer le match en sa faveur? Ouais. Allez, s'il arrive à prendre l'arrêt. Oh non! Ah là, il n'y arrivera plus. Et c'est terminé. Là aussi, un immense champion, Mika Mawem, quitte la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Et ben voilà, donc le match est complètement ouvert. Jérémy Bonder est toujours, pour l'instant, sur le hot seat, sur la première place. Il n'en revient pas lui-même. Il est juste à côté de nous. Et le champion de France en titre qui va défendre sa couronne pour l'instant. Et c'est également une très très bonne nouvelle pour Arthur. Mais quel parcours! Arthur Ternan et Jérémy et Mika qui se check. Avec un grand sourire chacun. Qui se félicite. Bon, mais on a eu cette discussion tout à l'heure entre. J'ai assisté à une discussion entre Jérémy et Manu où vraiment Manu lui disait: tu vas être celui qui va venir se mettre en travers de mes plans. Et c'est probablement ce qui est en train de se jouer. Il lui disait ça. Il le savait très bien que Jérémy Bonder était l'homme du jour. Allez, Manu. Allez, fais parler le félin. Allez, la salle est complètement concentrée. Il y a un écran géant en plus de tout simplement du pan. Donc la salle a les mêmes images que vous sous les yeux, en plus de voir le grimpeur. Oh. Ah, c'est pas le moment de s'énerver, Manu. Manu, c'est une machine, mais il est aussi d'une grande sensibilité. Il reste tout petit peu plus de 2 minutes. Et la salle François Legrand de la Baconnière est à nouveau en train de s'enflammer. Le DJ monte le volume. Le speaker lance des cris rageurs. Attention, un véritable chaudron ici. Allez. Et j'ai l'impression que la musique qui passe a été demandée par Manu lui-même. Allez Manu. Et Jérémy Bonder qui a un sourire de plus en plus large à côté de nous. Il a potentiellement le podium assuré. Le titre ou pas le titre. Allez, il va changer de chausson. Qu'est-ce qui se passe là au niveau des chaussons? Donc les chaussons qu'il a utilisées jusqu'à présent ont une texture différente. Et ben en fait les grimpeurs suivant les prises, les volumes, les petites prises, ils mettent des chaussons plus ou moins souples. Sur les volumes souvent ils mettent des chaussons plus souples. Mais là ils zippaient. Ouais, mais ils continuent à zipper. Ouais. Donc
qui va bien brosser, il va bien se mettre dedans. Allez, coup d'œil à l'horloge. Allez, Manu. Il a encore le temps. Allez, encore Manu. Encore le temps d'aller chercher la zone. 35 secondes pour Manu. Il reste. Il tire en fait sur son bras gauche, qui l'empêche de développer, de charger sur le pied gauche. Jérémy Bonder qui hallucine littéralement. Non, il n'est pas en train d'halluciner, il est en train de soutenir son copain. Il aimerait le voir aller jusqu'au bout, mais il comprend en même temps qu'il est en train de prendre le titre. C'est en train de lui échapper. C'est en train de lui échapper. Jérémy Bonder est debout sur l'estrade, en train d'applaudir son copain. Il comprend qu'il est champion de France. Jérémy Bonder et Arthur Ternan. Arthur Ternan. Alors, on va attendre. On va attendre. Voilà, Florian Kuchler qui vient le féliciter. On va avoir quelques interviews avec Christopher, donc Christopher Hardy qui va venir tout simplement interviewer. Voilà, Jérémy Bonder qui prend donc le titre pour cette année. Arthur Ternan, vice-champion de France 2019. Je pense que du côté des Ternans à Tournon, on est complètement euphorique. Quelle histoire. Et là, voilà, Jérémy et Manu qui se tombent dans les bras. Et Manu Cornu, donc troisième. Sam Avezou qui reste quatrième. Bravo à lui. Voilà, quelle histoire. Incroyable, en fait, incroyable scénario. Ah oui, mais c'est le bloc, hein. C'est le bloc, on le sait. Ouais. Je vous le dis, mesdames et messieurs, si vous êtes pour la première fois devant une finale de championnat ou de coupe, comme ça, que ce soit du monde, de France, d'Europe, allez sur les vidéos disponibles sur la plateforme de vidéos de la FFME et vous verrez un petit peu l'historique de tout ce qu'on a vécu ces dernières années, les rebondissements, les choses qui se jouent dans les toutes dernières années. On va laisser la parole à Christopher d'ici quelques secondes. Et puis, vous avez les résultats sous les yeux. Mika Mawem qui termine sixième finalement. Ça se joue à chaque fois à pas grand-chose. Avec Mathieu Ternan, donc 5. Sam Avezou, 4e. Manu Cornu, le champion de France, en 3e position. Un podium, donc Manu Cornu, vice-champion de France Arthur Ternan et Jérémy Bonder, champion de France 2019, troisième fois champion de France. La parole à Christopher Hardy, qui est avec les trois et qui va nous donner un petit peu leurs impressions. Alors, on est sur Internet. Alors déjà, j'espère que vous êtes éclatés. Alors, pour toi, c'est bonus. Dès le début, tu as fait une entrée de circuit incroyable sur le bloc numéro 1. Arthur Ternan, vice-champion de France. Est-ce que tu aurais imaginé ça ce matin en te levant? Non, déjà j'étais super content de me qualifier en finale parce que ça fait un moment que j'attends et en plus avec mon frère, donc c'est top. Donc maintenant c'est que du bonus. D'être aux côtés de ton frère qui était lui plus en avant de toi sur les résultats et finalement, alors en fait tu sors avec un bloc de réalisé, le bloc numéro 1 et après des zones qui font la différence, mais tu passes devant le champion de France en titre. Ouais, c'est super. Après que ça soit devant lui ou un autre, ça change pas grand chose. Mais déjà content d'être sur le podium, content d'être en finale, et voilà. C'est ton meilleur résultat, on est d'accord, au niveau senior en tout cas? En senior, ouais. J'ai déjà été en jeune, mais là c'est en senior, donc ouais. Alors moi j'ai une pensée pour les parents, hein, parce que les parents ils sont à Tournon là-bas, ils sont devant Internet, et puis là ils n'ont pas lâché le truc. Un petit mot à papa et maman, ça fait cruche de dire ça. Non mais c'est tellement, de voir les jumeaux en finale, pour eux, ça doit être, pour des parents, ça doit être hors norme. Merci de nous soutenir et j'espère que vous avez aimé le spectacle, même si c'était pas hyper cool à regarder, mais voilà. Bon voilà, messieurs, dames, il est deuxième, il est vice-champion de France derrière vos écrans. Applaudissements pour Arthur Ternan, le grimpeur de Tournon. Merci Arthur. On va prendre le troisième. Le troisième, évidemment, c'était le champion de France en titre l'année dernière, Manu Cornu. Manu, j'ai envie de demander, déjà, c'est même pas la peine, t'as les boules, hein, ça c'est une certitude. Parle-moi de cette ouverture, De l'ouverture. De ces finales, c'était... vous n'avez pas pu vous exprimer? Oui et non, parce que moi le premier ça s'est bien passé, le deuxième je crois que j'ai tombé au dernier move ou pas très loin là. Donc avec un peu plus de réussite ça marche, ça me fait penser un peu à la finale des juniors la semaine dernière où avec un peu plus de réussite ça marche vraiment bien. Donc non, après c'est vrai que le 3 était peut-être un peu dur et le 4
Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire sur le 4, mais. Bah alors, non, parce que moi j'avais des trucs à dire sur le 4, c'est qu'en fait on voit, donc toi tu vois pas les autres, mais bah, on a l'impression que tu n'arrives pas à l'ouvrir cet axe de pied ou que c'était un peu loin. Sur les essais qu'ont suivi mes deux premiers, où j'ai mis tout de suite le pied et puis j'ai pas trouvé tout de suite la spatule, où j'avais des bonnes sensations. Et puis à un moment il y a eu un virage, je sais pas, ce qui a moins bien marché, peut-être aussi à trop me dire. Faut aller à la zone, faut gagner, machin. Je vais arrêter de grimper. Enfin, je me suis désaxé de l'objectif premier qui est de grimper. Et voilà, ça m'apprendra. Mais c'est bien, c'est de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on vient aux compètes aussi. Donc, on verra. La saison arrive bientôt. Bon, Manu Cornu, qu'on applaudit, qui était champion de France l'année dernière, est quand même encore sur le podium. Merci Manu, je me dépêche parce qu'on a pris de la bourre, évidemment, à utiliser les 4 minutes de temps réglementaire de tous les grimpeurs sur ces blocs. Et mesdames et messieurs, quand même, hein, il l'avait fait à Nozay, il l'avait fait ici à la Baco, puis il y retourne. Mais surtout, mais ce qui est délire, c'est que, bon, alors voilà, on va pas tout dévoiler, mais tu décides d'arrêter officiellement le bloc, bim, tu es champion de France. Ça vient à ce que tu disais tout à l'heure, à dire que si tu étais qualifié pour les championnats d'Europe de bloc, tu y vas. Hein. Ah bien sûr, bien sûr. C'est vrai que là, j'y allais vraiment avec nos stress, plaisir avant tout. Ben là, ça a super bien marché. Je suis surpris de me retrouver sur cette première place. Non, vraiment, c'était cool. Super compète. Vraiment, je me suis régalé. On s'est quand même, les ouvreurs, ils ont pas été très sympas avec nous. Ils ont quand même proposé des bugs bien durs, bien exigeants. On s'est quand même bien fracassé, mais bon, ça a gagné, c'est cool. Mais après une saison un peu difficile l'année dernière où le surentraînement m'est tombé dessus. Là, je reviens de loin et c'est vraiment que du bonheur. Alors, le surentraînement qui tombe dessus, et est-ce qu'à un moment donné, le fait de plus te mettre la pression et de retrouver le plaisir, finalement, tout ce que tu as, parce que Jérémy Bonder, il n'a pas changé du jour au lendemain, mais par contre, la tête a changé peut-être. Tout à fait, tout à fait. Le surentraînement, il m'a fait quand même vraiment réaliser une chose, c'est que je m'entraîne tous les jours dur, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Et là, je suis arrivé en mode plaisir avant tout, no stress, et ça a vraiment bien marché. Et vraiment, je me suis régalé. Du coup, je gagne. Je suis premier surpris et encore félicitations aux autres. Vraiment, c'était top. Bon, bah, en tout cas, moi, je te dis bravo parce que ça fait un troisième titre de champion de France pour toi. On va faire venir le podium avec Manu Cornu, Arthur Ternant et Jérémy Bonder. Ils n'ont pas été nombreux à rafler plusieurs fois le titre de champion de France. Voilà, il y avait François Kayser qui l'avait fait. Et encore quelques-uns. Bravo les gars. Allez, on vous laisse sur Internet, Fifi, Philippe et Cécile. Je vais vous laisser reprendre et on va retourner dans la salle. Eh bien, merci Christopher. Bravo, regardez cette belle image de notre podium. Donc, et on se retrouve d'ici quelques petites minutes, 15h30, pour lancer la finale des dames. À tout à l'heure. De l'action avec Au Vieux Campeur. Et les championnats de France de bloc présentés par EB. Et les championnats de France de bloc présentés par EB. Au cœur de l'action, avec Au Vieux Campeur.
Et bonjour ou rebonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la Baconnière pour les championnats de France d'escalade de bloc avec Cécile. Bonjour Cécile. Rebonjour. Et c'est donc la finale des dames que nous allons vivre ensemble. Il est l'heure de vous les présenter. Allez, le show son et lumière assuré par Créason. Et ici à la Baconnière, la salle François Legrand. Et donc, des dames qui ont eu l'occasion de venir observer ces blocs. Nous allons vous présenter à nouveau la discipline. Si vous atterrissez avec nous sur ce programme, soyez les bienvenus. Et nous allons commencer par vous présenter les six finalistes qui arrivent donc au terme d'une présélection régionale qui permet à 100 d'entre elles de se présenter ici au championnat de France. Et puis ensuite, à venir au terme d'un certain nombre de points ici sur les championnats de France. Et elles sont donc 6 à l'issue d'une demi-finale où elles étaient 20. Et voici Lucille Sorel qui n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà connu donc les Jeux Olympiques de la jeunesse, elle fait partie des plus jeunes, mais elle n'est pas la plus jeune, elle est tout juste 18 ans, issue donc des catégories juniors. La suivante, on a l'habitude de la voir aussi au plus haut niveau en France. Attention, Maëlys Agrapard, 21 ans, qui fait partie du team Vertical Art. Alors là aussi, j'espère que les ouvreurs ont réajusté le tir. Et je pense que nous allons avoir un immense spectacle. La prochaine qui apparaît à l'écran est une légende vivante de l'escalade pour la France. Elle est jeune encore, évidemment, 25 ans, mais elle a écrit une sacrée page pour la France. Hélène Janicot est du côté de Rion. On est évidemment heureuse. Elle a des victoires en Coupe du Monde. Elle est en équipe de France depuis très longtemps. Elle est surtout active à l'entraînement au pôle de Voiron, près de Grenoble. Et la Réunionnaise de 25 ans également. Elles se connaissent depuis de longues années. Hélène Janicot et Manon Illy du club 7 à l'Ouest. Vice-championne de France de bloc et de difficulté en 2018, l'année dernière. Donc, sacré niveau sur l'année 2018. Elle est notamment très détendue depuis son diplôme d'infirmière. Elle a la toute jeune. Attention, elle a été championne d'Europe cadette. Elle a des victoires en Coupe d'Europe en cadette. Et elle est vice-championne du monde en cadette. C'est Neylé Ménian, le phénomène. Et la championne de France en titre avec ce clin d'œil. Réunionnaise habitant désormais en région parisienne. Troisième au général de la Coupe du Monde 2018. Trois titres de championne de France, dont deux d'affilée. Ça fait 10 ans qu'elle est en équipe de France. Fanny Gibert, mesdames et messieurs, voici nos six protagonistes, nos six finalistes chez les dames. Comment dire, que le match commence, Cécile. Oui, donc elles ont déjà fait l'observation des blocs tout à l'heure, comme chez les garçons. Les filles avaient 2 minutes pour décoder au pied du bloc chaque passage. Et les voilà maintenant prêtes à enchaîner pour l'escalade. Alors, voilà, on voit les images. Voilà, ça sont les images de tout à l'heure. Et du coup, je vais aller voir du côté de Jérémy, notre ouvreur, ce qu'il en pense. Du coup, on peut observer les images d'observation. Donc, 2 minutes par passage pour décoder et prendre un maximum d'informations, de telle sorte qu'une fois arrivé au pied du bloc, quand les grimpeuses n'ont plus que 4 minutes pour arriver en haut, elles puissent partir directement dans leur escalade. Voilà, donc on les voit échanger entre elles sur les méthodes, sur l'endroit où elles vont tenir les prises. Certaines font leur observation seules, se mettent bien dans leur bulle, et d'autres aiment bien échanger avec les autres. Donc, il y en a qui ont l'habitude de s'entraîner ensemble et d'échanger, et parfois les échanges se font spontanément, comme ça, au pied du bloc. Philippe, on va rejoindre Philippe pour l'interview avec le chef ouvreur.
Allez, je suis avec Jérémy Tonneau. Donc, vous nous avez bien régalé sur l'ouverture avec les hommes. On part maintenant chez les dames. Qu'est-ce que vous nous réservez? Comment est-ce que vous allez les mettre en difficulté? Du coup, on va retrouver un bloc 1 en coordination, surtout au niveau de vertical du profil, et avec une grosse poussée de jambes à la fin et un move d'épaule pour finir le bloc. Un bloc 2 avec un arrêt sur image, puis suivi d'un pif-paf à deux étages, donc un bloc assez traditionnel. Un bloc 3 où il va y avoir beaucoup de lecture, un mouvement de paume vers le haut et beaucoup de prise de décision on va retrouver dans le bloc 3. Et dans le bloc 4, il va y avoir un mouvement de coordination en gros jeté sur les jambes, puis après un deuxième étage plutôt physique avec beaucoup de mouvements et de petits mouvements pour atteindre le bac final. Voilà. Ce que tu appelles deuxième étage, c'est après la prise de zone? Exactement. Souvent, on ouvre les compétitions, les blocs en compétition avec deux étages ou trois étages en termes de niveau de difficulté. Et là, on a déjà vachement de blocs assez complexes. Donc, on a mis que deux étages, donc deux niveaux de difficulté dans le bloc. À enchaîner. Merci, Jérémy. Bravo à tous les garçons. Vous êtes une équipe de 5 gars pour le boulot que vous avez effectué. Maintenant, à nous de nous régaler sur votre œuvre. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, on voit tous les blocs de loin. Donc les grimpeuses n'ont pas commencé leur ascension. Les blocs vont commencer d'ici quelques minutes. On peut les voir. Donc là, c'est le bloc 4. On voit les différentes prises, l'inclinaison des structures. Voilà, Philippe. Donc... Sacré dispositif, effectivement. Donc, ça va être grosso modo comme tout à l'heure. C'est ça. Regarde, dans la pénombre, tous les blocs qui ne nous intéressent pas pour l'instant. On commence par le premier bloc qui est mis en lumière. Donc, sur le bord gauche. Allez, bah, c'est parti. Voilà. Allez, Lucille Sorel. À l'œuvre donc, nous voici en finale avec les dames. Alors, chers spectateurs, si vous nous rejoignez, pour ceux qui ont déjà suivi la finale homme, eh bien merci pour votre fidélité. Et regardez, d'entrée de jeu. Donc sinon, les règles du jeu, toujours 4 blocs voilà. À franchir. Le voilà. Plus de passages validés possible. Pour valider le bloc, il faut mettre les deux mains sur la prise de fin et avoir une position contrôlée. Donc là, on voit tout le jeu d'équilibre. Elle va se redresser. Oh là là là! Jolie tentative! Alors, oui, parce qu'elle ne va pas pouvoir la saisir avec cette rapidité d'exécution. Vu le grain, ça risque de lui échapper. Il faut qu'elle trouve une autre méthode. Si elle arrive haut, si elle se retrouve, on voit bien, en fait, la prise sur le haut, là où il y a de la magnésie, du blanc, ouais. On sent qu'il y a une préhension. Mais ce n'est pas un bac pour autant. Elle ne va pas pouvoir mettre les doigts dedans. C'est juste un volume, c'est le haut d'un volume. Mais si elle arrive vite, les deux mains dessus et assez haut, elle peut tenir. C'est vrai ? Ok. Ouais. Bon. Donc on voit la matérialisation des prises de départ, la prise de zone pour laquelle elle a jeté, mais qui n'a pas été validée puisqu'elle n'a pas contrôlé la position dessus. Et la prise de top avec le scotch vert tout là-haut, la grosse prise rouge à droite, qui exact. Peut tenir avec les deux mains. Donc ce mouvement de coordination qu'elle réalise parfaitement bien. Ouais. Jolie démonstration d'entrée de jeu. Voilà, faut bien se redresser là, direct, c'est ça en fait. Ah, donc faut se garder la main sur cette jambe. Voilà. Mais garder la main pour passer bien au-dessus du pied et après bien redresser sur la jambe et aller chercher avec la main gauche la prise de zone. Sacré défi pour Lucille Sorel. T'arrives à expliquer pourquoi il y a autant de championnes réunionnaises? Qu'est-ce qu'il y a à La Réunion? Eh bien, à La Réunion, il y a une bonne dynamique. En fait, il y a tout un pôle jeune qui s'entraîne, donc plus spécialisé dans la vitesse et le bloc.
Et une fois que ces athlètes deviennent plus grands, ils partent. Ils reviennent ici en métropole. Oui, ils reviennent. Mais historiquement, il y a des gens qui les encadrent, ces jeunes. Je pense qu'il y a une dynamique là-bas. On aime la grimpe, le pays s'y prête, le paysage s'y prête. Des clubs d'escalade, ouais. Il y a un centre régional. Ouais. Et du coup, il y a Gabo qui les regroupe et qui entraîne tous ces jeunes. Et avec les entraîneurs de club, bien évidemment. Et on les salue parce qu'on imagine bien qu'ils nous regardent. Allez, dernière minute pour Lucille. Donc elle va tenter de passer de l'autre côté cette fois. C'est ça. Est-ce qu'il ne serait pas plus valable de se hisser elle va sur se cette redresser. Prise et ouais. Voilà. En prenant bien appui dans l'angle avec sa main, elle va réussir à se redresser sur sa jambe. Donc là, la paroi est verticale, là où elle est. Allez, si... Voilà, il faut prendre son temps et se redresser. Elle s'est déployée vers le haut, là. Finalement, elle reprend l'option de tout à l'heure. Il va falloir être explosif, là, sur cette jambe droite. Ouais. Oh, c'est beau, dommage. OK, effectivement, je suis convaincu maintenant. Soit les deux mains, soit je te dis juste en se redressant et en faisant un appui de paume avec le bras gauche. Suivant la taille, c'est... Une seconde. Elle tape dans les réservoirs d'énergie. C'était peut-être pas obligatoire. Bravo Lucille. Ouais. Alors, Maëlys Agrapard. Maëlys, à l'image de Jérémy. Oui. L'année dernière, elle est passée plus sur la DIF. Et elle revient quand même sur les compétitions de bloc parce qu'elle a été spécialiste bloc pendant très très longtemps et fait toujours les compétitions de bloc avec plaisir. Et est-ce qu'elle peut être le challenger détendu de Fanny Gibert à l'image de... comme Jérémy l'a été vis-à-vis de Manu. Ouais, bah, j'espère que Maëlys va avoir la même attitude que Jérémy, prendre cette compétition en ayant plaisir dans la grimpe et sans forcément chercher avoir tout le temps l'objectif de résultat en tête. Voilà. Donc c'est bien d'être ambitieux, d'avoir un niveau d'exigence très élevé, mais au moment de grimper, eh ben, il faut se laisser grimper. Et voilà, certains grimpeurs y arrivent plus facilement que d'autres. Et je lui souhaite d'avoir cet état d'esprit-là. Voilà. Elle était 29e l'année dernière à Massy, donc loin des finales. Et là, elle s'ouvre une porte. Donc là, elle fait comme Lucille tout à l'heure, en essayant de se redresser, en prenant appui sur le dièdre à côté. Et finalement, on revient sur cette version-là. Toutes les deux, en opposition comme ça. Juste en appui, ça peut marcher aussi. Les deux marchent, je pense. Ouais. En tout cas, c'est toujours le risque sur un mouvement explosif de se déséquilibrer. Et alors que l'approche en appui sur le dièdre, comme tu disais, on arrive tout doucement à se redresser. Oui. Mais après, visiblement, elles avaient du mal à se redresser complètement sur la jambe. Ouais. Puisque l'appui dans le dièdre est un petit peu fuyant quand même. Ça marchera peut-être pour les filles de plus grande envergure comme Hélène Janico ou Fanny. Capable de déployer leurs bras. Donc du coup, là, la prise de zone n'a pas encore été validée. Mais on sent que ça va l'être bientôt. Allez, super. Allez, Maëlys. Elle le sait, elle a trouvé sa solution, elle a décidé que c'était comme ça, elle perd pas de temps. Par contre, là, elle a fait un entre-deux, elle a essayé de faire l'appui avec les deux mains, je pense que c'est compliqué. L'appui, c'est une seule main, ou sinon elle est coiffée. Et verrouillée par-dessus. Ouais, voilà.
Alors, on expliquait, donc toi, tu es entraîneur de l'équipe de France. Et justement, on expliquait que les grimpeurs avaient également des coachs personnels ou dans leur club d'origine, etc. Ils étaient accompagnés et qu'il y avait donc une bonne symbiose entre vous, entre que ce soit Sylvain Chapelle, toi, et puis l'ensemble de ces coachs. Là, en l'occurrence... Oh là là! Là, en l'occurrence, sur ces championnats de France, par exemple, il peut y avoir des gens qui lui ont donné des méthodes. Non, là, il n'y a plus personne qui lui a parlé depuis l'isolement. Elles ont pu échanger, en fait, avec les autres filles. Ouais, entre elles. L'entraîneur peut être en isolement. Mm-hmm. Et il peut sortir juste avant le début. Non, par contre, l'entraîneur n'a pas le droit de regarder. Donc, s'il est en isolement, il reste en isolement. Il a le droit d'attendre le retour des grimpeurs pour en discuter, mais il n'a pas vu. D'accord. Donc, parmi les différentes méthodes, personne ne peut lui donner la clé, on va dire. Non, non, non. OK. Alors, ni Lucille ni Maëlys n'auront été chercher la prise de zone. Et nous voici avec Hélène Janico. Donc Hélène Janico, elle, c'est une spécialiste de difficulté. C'est vrai que c'est une athlète de référence en difficulté avec un super palmarès et en jeune et en senior. L'année dernière, elle tente le grand écart. Donc on va voir si elle va tenter la coordination. Ouais, je pense qu'elle va y aller. Ouais. Voilà, super. Voilà. Oh. Elle va mettre quelques essais. Alors, elle va nous proposer probablement toutes les méthodes possibles, non? En fait, non, je pense qu'elle va refaire ça. Ouais. Hop. Là, ça va. Donc, elle garde la jambe droite trop tendue. Elle le sait. Ouais. Elle mime. Exactement. Elle mime l'approche, là. Donc, Hélène est une super athlète. Et l'année dernière, elle est passée de l'autre côté. C'est ça. Elle entraîne maintenant les jeunes au Pôle France de Voiron. Et elle est également ouvreur. Donc, elle ouvre les compétitions de DIF, mais également les compétitions de bloc. Elle fait le même métier que Jérémy Tonneau, avec qui nous discutions tout à l'heure. Super. Évidemment, pour les néophytes, lorsque Cécile parle de DIF, elle parle de la difficulté. C'est... Oh, voilà. Voilà. C'est donc elle a fait appui de paume avec juste une, et une fois que c'est stabilisé, elle ramène. Voilà. Ah, voilà, donc Hélène Janico, au niveau qu'on lui connaît, qui génial. Va topper le bac final. C'est bien elle, c'est bien elle, telle qu'on la connaît, l'immense championne. Super. Ben, ça fait plaisir parce qu'elle a eu quelques années, l'année dernière, c'était, il y a 2 ans, ouais. Plus difficile la compétition, elle avait des gros doutes sur sa motivation et... Voilà, on la sentait un petit peu indécise. Et son nouveau choix de vie se révèle être payant. On voit qu'elle se fait plaisir dans tout ce qu'elle fait. Elle s'est défaite de ses doutes. Ça fait plaisir. Ouais. Et on la sent effectivement complètement allégée. Attention, Manon Illy. Ça. Une autre spécialiste de difficulté. Donc Manon, l'année dernière, en difficulté, a eu une saison exceptionnelle. Mais en bloc aussi, meilleure. Finalement. Elle prend les deux titres de au niveau national. Vice-championne de France et vice-championne en diff et en bloc. Et au niveau international, donc elle a fait une super saison en difficulté. Elle avait mis sa carrière de bloqueuse entre parenthèses pour exceller en diff. Ouais. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Mais elle est polyvalente parce que, comme tu l'as dit, elle a déjà excellé en compétition. Et elle aussi, elle a fait donc un choix de vie professionnel. Elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Elle est très détendue depuis. Et puis, par ailleurs, elle fait de la falaise. Elle évolue dans des cotations 9A. Yes. Donc, on a affaire au très, très haut niveau mondial.
Elle est capable d'aller se battre contre les toutes meilleures sur les Coupes du Monde. Encore une fois, hein, mesdames et messieurs, si vous nous suivez pour la première fois, si vous suivez l'escalade pour la première fois, vraiment, prenez ces grimpeuses et ces grimpeurs dans votre cœur et suivez-les, que ce soit sur les réseaux et à travers les différentes retransmissions. C'est une très, très belle famille sportive, un très bel état d'esprit. Il faut pousser sur la jambe, voilà. Ce sont évidemment on est loin des budgets des grands sports ultra rémunérateurs pour les athlètes. Ce sont avant tout des passionnés. Plus compliqué de stabiliser parce qu'il va y avoir une rotation du corps, donc ça va être dur avec cette jambe là, mais pourquoi pas. Ouais. Là ça semble compliqué puisque son bassin est tourné dans un sens, l'épaule dans l'autre. C'est... Et elle peut pas faire jouer sa taille. C'est vrai que c'est un petit gabarit. Donc elle appelle les brosseurs. Du coup, ça lui permet aussi de prendre un peu de temps pour respirer, récupérer et analyser la situation. Le grimpeur face au défi du bloc. Je pense que vous commencez à le comprendre, hein, mesdames et messieurs. Vous comprenez à quel point ce sport réunit à la fois des capacités physiques et techniques, mais également une jugeote, une capacité d'analyse de premier ordre. Allez, Manon. Oh là là, c'est beau. Je vous avais dit, pour ceux qui étaient là durant la finale des hommes, je vous avais dit, vous avez été voir avec les dames. Il y a cette petite touche esthétique dans la gestuelle, en plus, avec, pour certains mouvements, littéralement de la danse, comparable à de la danse verticale. Trente dernières secondes pour Manon. J'espère qu'elle va monter l'autre jambe. Allez. Allez, 15 secondes. Elle est là, l'erreur. Ça me semble plus complexe, mais si elle y arrive, tant mieux. Ouais. Elle se sent peut-être plus forte pour s'éjecter. Développer, ouais. Pour développer sur la jambe, mais ouais. Après, c'est difficile de stabiliser. Allez. Allez, mesdames et messieurs, Naïlé Maignan, la toute jeune, la surprise, ou en tout cas, pas la surprise, parce que là aussi c'est une grande famille de grimpeurs, hein, et on sait d'où elle vient, mais par contre... Naïlé, en fait, c'est sa première année où elle peut jouer chez les seniors. C'est ça. Mais on sait depuis longtemps qu'elle est très forte, ouais, ouais. Pour... Alors, elle t'a entendu. Ah, elle rechange. Allô. Ah, ouais. Tu sais que bientôt, les coachs vont t'écouter en coulisses. Ils vont écouter le streaming. Oh là là, c'est magique. Alors là, elle est flash. Elle est pas décalée, elle a fait tac-tac. Elle est flash, elle est sur le premier essai. Elle est à vue, pardon. Ouais, ouais. Donc, beaucoup de talent à Naïlé, hein, depuis qu'elle est petite. On sait c'est qu'elle magique. Est... Voilà. C'est okay. Magique. La beauté de ce sport, incarnée par cette demoiselle. Bon, eh bien, il reste Fanny Gibert. C'est incroyable, hein. Ouais. Et applaudissements pour Fanny, hein, qui a survolé... Allez, Fanny Gibert, championne de France en titre, qui vient donc être bousculée là, par Naïlé. Évidemment, elle s'en doute, mais elle n'en a que faire. Hop là. Hop. Aussi que Jessica Pitt, c'est une grande bloqueuse.
Elle est une des rares à avoir remporté, un des rares athlètes, même tout court, à avoir remporté deux titres de champion de France d'affilée. En tout, elle en a déjà trois. Allez. Ah, elle a mis. Allez, 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 yes. Rattrapez. En l'occurrence, 2017-2018, elle a eu également 2015. Elle pourrait faire le triplé. Oh là là. Superbe. Bravo Fanny. Super. Alors, au nombre d'essais, c'est Nayle Maignan qui est devant pour l'instant. Vous avez l'affichage ici. Hélène Janico, troisième. Et puis Lucille Maëlys Manon qui reste en embuscade. Et nous nous attaquons au bloc numéro 2. Donc, pour déchiffrer le tableau, hein, le rectangle du haut, c'est le top, le nombre de blocs topés. Et le petit rectangle en dessous, c'est la zone. Donc si c'est vert, c'est validé. Si c'est rouge, pas validé. Et le chiffre inscrit dedans, c'est le nombre d'essais. Donc 1 pour Nayle, 2 pour Fanny, 4 pour Hélène avant d'accéder au sommet. Donc Nayle qui a donc grappé à vue dès son premier essai. On ne peut mieux faire. Après, à la fin de la compétition, donc ce qui est important, c'est d'avoir sorti le plus de blocs possible. Le grimpeur qui sort le plus de blocs est classé devant. En cas d'égalité, on regarde le nombre de zones sorties sur les quatre passages. Et en cas d'égalité, encore, on regarde le nombre d'essais pour toper les blocs et ensuite valider les zones. Lucille Sorel à l'attaque du bloc 2. Nous allons donc le découvrir avec elle. Ah. Donc là, on voit une petite coordination. C'est quasiment en un move qu'on atteint la zone. Ouais. Donc là, c'est un bloc avec peu de mouvement. Mais ultra technique. Waouh. Donc s'il faut caler la paume sur la prise de zone avec la main et remonter le pied assez haut, parce que sinon, il n'y a pas de surface. Voilà, on voit sur le bleu, il y a du grain et donc les mains et le pied peuvent tenir. Sur le blanc, c'est ça glisse. Voilà. Oh, c'est beau. Super. Allez. Elle a eu ce mouvement de ballerine. Donc après, gros passage en gainage. Allez, super. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, il faut basculer complètement sur... Il faut aller sur le... Waouh. Ouais. Et là, il faut sauter. Alors, on a vu Jérémy Bonder chercher à caler ses doigts. Ouais, superbe, super. Et là, il faut se redresser et faire vite. Aller chercher le grip dans le bleu, là-haut. Ouais, ouais. C'était main gauche, ou là, alors, transférer de l'autre côté, passer de l'autre côté. Alors, vous ne la voyez pas, Cécile, mais elle mime littéralement. Hein, donc, elle fait des grands moulins avec ses bras. J'imagine, elle se projette complètement à la place de Lucille. Bah, l'écran est en juste... Il n'y a pas les 3D, donc je fais les 3D, moi. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est tout à fait explicite. On va demander à la régie d'avoir une caméra sur toi. Bon, et une 30, bon, elle a validé la zone. Donc là, voilà la période de réflexion. Alors, tu vois que les grimpeurs arborent des partenaires sur leur maillot, etc. On remercie évidemment toutes les entreprises, les entités qui s'investissent aux côtés des athlètes et des clubs pour faire tenir ce sport. Vous savez que c'est un sport dont l'engouement n'est plus à démontrer. Et notamment encore cette nouveauté, le partenariat entre le réseau des salles Blockout, qui sont tout simplement
le réseau historique. Il y en a désormais 14 à travers la France. Il y a des ouvertures quasiment annuelles de nouvelles salles. Donc, partenariat entre Blockout et la FFME, la Fédération Française de la Montagne et d'Escalade. Nous en avons parlé tout à l'heure avec notamment Arnaud Pioget, le cofondateur de Blockout, et Florian Kunkler, le directeur de la communication de la FFME. Et on peut... voilà, c'est terminé. Elle en restera là. Lucille va laisser la place à Maëlys. Elle a résisté, on le voit sur le ralenti précédent, elle a résisté à la chute qui était pourtant partie avec sa tête. Et elle a réussi à tout gainer, voilà, tout et à résister. Elle montre de belles choses, hein, Lucille. Donc la zone est validée. Validée, oui. Allez, attention, parce qu'elle n'a pas dit son dernier. Alors, Maëlys, comment va-t-elle engager ce bloc? Si elle se lançait dans l'aventure olympique, elle a pas mal d'atouts. En vitesse, elle serait loin d'être ridicule. Voilà, donc on peut reparler effectivement des grandes dates à venir, notamment avec Tokyo 2020. Donc, Sylvain Chapelle, qu'on a eu également au micro et qui est en train de... qu'on a interviewé un petit peu plus tôt dans la matinée et qui est maintenant co-commentateur comme toi avec moi. Lui, il est avec Christopher en salle. Il donne son point de vue de technicien. Et en l'occurrence, il est tout simplement entraîneur national du Pôle France Olympique d'escalade pour Paris 2024, mais également avec une projection pour Tokyo. Enfin, non, la projection, c'est pour Paris 2024, pardon, puisque le premier objectif, c'est Tokyo 2020. Et donc là, il y a tout un tas d'athlètes qu'on a vu passer dans le week-end qui vont potentiellement représenter la France. En l'occurrence, il y a une sélection au terme de ce championnat de France. Allez. Et donc le groupe de qualification olympique pour les étapes de Coupe du Monde sur ce circuit 2019, eh bien il est composé chez les dames d'Anouk Jobert, qu'on a vu, mais qui est donc la spécialiste absolue de la vitesse chez les dames en équipe de France. Fanny Gibert, que vous avez eu donc à l'écran, Manon Illy également, et puis Julia Chanourdi, qui est également présente sur cette compétition, qui est elle l'immense grimpeuse de difficulté qu'on connaît. Donc voilà pour les du côté des dames. Et puis chez les messieurs, Michael Mahouem, que vous avez vu tout à l'heure avec son frère Bassa, qui est lui l'immense spécialiste de la vitesse, au même titre qu'Anouk Jobert. Romain Desgranges, le grand champion de grimpe de difficulté. On retrouve Manu Cornu, que vous connaissez maintenant. Alban Levier également, qui était vice-champion de France 2018, qui n'était pas en finale cette année. Et puis encore une autre fratrie, donc on a les frères Mahouem et les frères Amezou, avec Sam et Léo. Sam, que vous avez vu à l'œuvre il y a moins d'une heure. Allez, de retour avec Maëlys. Yes. Ah, superbe. Allez, et là, la salle François Legrand de la Baconnière est en train de s'enflammer pour Maëlys Agrapard. Allez. Ce dernier mouvement, attention, ne jamais vendre la peau de l'ours, et c'est bon avec ce sourire. C'est un sourire demi-ouvert. Hein. On sait qu'il reste du métier, on sait qu'il reste à mettre le cœur à l'ouvrage. Et superbe prestation de Maëlys Agrapard. Hélène Janico à suivre. Quel match avec...
Donc on voit la souplesse hein, dont on a parlé tout à l'heure. Allez, Maëlys qui revient donc fortement dans le match là. Donc en 7 essais. Janico qui va nous rejoindre, troisième à la fin du bloc numéro 3. Et on voit le ralenti hein, de Maëlys à Grappard. Bien joué. Comme quoi, hein, c'est ce départ qui a fait la différence, Sylvain. Ouais, le premier coup, la mise en action, vraiment, est difficile à mettre en œuvre. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut garder le sourire pour rester bien dedans et positivé pour essayer d'avoir un champ de vision le plus ouvert possible. Donc voilà Hélène. Qui a déjà en poche le premier bloc. Elle prend le temps de se préparer. Même si elle a déjà fait l'observation du bloc avant, elle prend le temps d'observer de nouveau au pied du bloc avant d'engager son escalade. Hop. Donc ce petit mouvement de coordination est direct, elle a compris qu'il fallait monter très rapidement son pied. Hop, yes, super. Elle hésitait entre passer sur la gauche ou continuer. Voilà, super. Elle a dû le faire. Avec les. Allez, on lâche rien. Messieurs, Mélène Janico, vous se retrouver sur le podium des France. On l'applaudit, s'il vous plaît. Allez, on la lâche pas, Hélène. Bon premier essai, elle a vite négocié le départ. Donc là, elle s'est laissée tomber sans engager de mouvement. Elle ne savait pas trop comment gérer ça. Ouais, super. La remontée, on dû le faire encore en opposition. Ah oh. Trouve pas le placement. Tout à l'heure, Maëlys a réussi à le faire en douceur, en se grandissant. Éventuellement, Hélène n'imagine pas exactement ce qu'elle doit faire. Si elle a, elle a la vision quand même. Bah là, elle ne sait pas trop. Hein, bon. Ouais. Ne t'énerve pas. Allez, Hélène. Allez, dernière minute. Le grand écart là, qui va se transformer en face. Il faut bien remonter, remonter, voilà, remonter. Là, elle va le faire en saut, donc du coup. Oh. Ah, c'est osé, hein. Ouais. Et elle se fait éjecter par son propre mouvement. 30 secondes. Alors. On applaudit là, s'il vous plaît. 30 dernières secondes, allez. Allez. Allez, la salle en tout cas. Sans mettre le pied, elle a réussi à. Ouais. En gainage. À... Du coup, elle gagne un mouvement. Oh là là, ouais. Là, en allant chercher l'arête. Incroyable grimpeuse. Bravo Hélène. Elle hausse les épaules, bon ben je sais pas. Bon, elle a assuré la zone quand même. Oui. Et pour l'instant, elle. Bon voilà, Maëlys à Grappard peut toujours aller là. La bousculer, mais pour l'instant, le match va se jouer maintenant avec Manon Elie pour remonter parmi
les prétendantes de tête. Donc Manon Illy qui fait partie du groupe préparation olympique combiné, ouais. Voilà, donc ça, en fait, dans les noms que j'ai cités tout à l'heure, et je vous ai dit qu'il est un petit peu leur spécialité. Effectivement, Manon Illy, typiquement, sa spécialité, c'est la difficulté et non pas le bloc dans lequel elle s'exprime. Mais pourtant, elle est en finale d'un championnat de France, c'est quand même voilà. Dire. Et le principe sur le format olympique à Tokyo, c'est que les grimpeurs devront être complètement polyvalents puisqu'il faudront, il leur faudra être bon en difficulté, bon en bloc, et mais également bon en vitesse. Et ça changera après pour Paris 2024. Il y aura donc scission entre d'un côté la vitesse et de l'autre côté l'ensemble des deux autres disciplines, bloc et difficulté. Donc c'est vrai que dans l'escalade de difficulté, les mouvements de coordination et de grosse explosivité sont moins poussés que dans la discipline de bloc. Donc Manon met un petit peu plus de temps à trouver le passage, le placement, mais elle finit par le trouver. Alors historiquement, le bloc, c'est très lié à Fontainebleau en France, à des gens comme Jackie Godoff, etc. Oui, historiquement, en fait, il n'y avait que des compétitions de difficulté. Les compétitions de bloc sont apparues après. Et c'est vrai que les grimpeurs grimpaient à Fontainebleau sur des blocs à l'extérieur. Et il n'y avait pas forcément de compétition. Et après, le circuit de compétition de difficulté s'est bien, bien développé. La compétition de bloc est venue et d'un seul coup, il y a eu un gros boom et c'est l'activité qui prend le plus. Qui prend le plus, oui. Ouais. Et on voit avec, par exemple, si on regarde les formules type block-out avec un espace restauration, un espace de grimpe, on est un peu dans la salle de sport améliorée avec des services kinés, avec des services, même une salle de muscu en tant que telle. Et finalement, ça plaît bien aux gens qui sortent du travail, qui peuvent aller comme ça faire leur séance. Ouais, après, il y a tous les clubs également. Et évidemment, ensuite, et c'est justement là où le partenariat est intéressant, c'est qu'il y a tous les clubs où là, évidemment, il y a la formation via l'encadrement, donc des gens qui sont formés et qui ont les diplômes fédéraux ou les brevets d'État. Et c'est là où toutes les jeunes pousses que l'on voit ensuite grandir à travers ces compétitions font leurs armes. C'est vrai que dans les clubs, du coup, l'escalade de difficulté peut être pratiquée, l'escalade de bloc aussi, l'escalade de vitesse, suivant les clubs et les structures à disposition. C'est une proposition pour les grimpeurs adhérents au club. Allez, une minute, Manon. Donc elle éprouve des difficultés à trouver cette coordination. Mais on a vu tout à l'heure, c'est Hélène qui a réussi à tenir avec la paume sur la prise de zone sans placer son pied sur la prise bleue de départ. Allez Manon. Comme elle n'arrive pas à trouver la coordination, elle tente autre chose en plaçant le pied d'abord. Mais elle revient, voilà, elle revient à ça, mais elle gagne pas suffisamment et du coup elle se laisse emporter. Là, faut vraiment mettre tout le corps en tension pour résister et là elle laisse descendre le bassin. Ouais, elle laisse descendre le bassin, on le voit, alors que le bras n'a pas encore trouvé l'appui. Oui. Bon, Manon, on serait quand même souhaitable qu'elle soit dans la réussite là sur ces blocs. C'est complètement à sa portée. Et le match, pour l'instant, celles qui ont validé de la façon la plus rapide le premier bloc a commencé par Nayle Ménian, qui est pour l'instant la favorite après le premier bloc, après son résultat au premier bloc. Elle rentre au pas de course. Rien ne l'intimide. Hein. Oui. Au contraire. Au contraire, ça la booste.
Donc dans les grands clubs, nous avons le club de Chambéry, là, qui est représenté par Naïlé. Tout à l'heure, on avait le club de Massy, représenté par Sam. Mmh. Et voilà, ce sont les deux plus gros clubs. Un en région parisienne, un dans les Alpes. C'est un bon équilibre. Allez, est-ce qu'elle va le faire, Naïlé? Le but pour elle, c'est d'arriver à tenir le rythme, la pression. De mettre toujours la pression. C'est ça, c'est le but, c'est ça. Par rapport à Fanny, c'est d'arriver à tout faire à vue. Voilà, donc là, va chercher, faut tirer. Voilà, oh là, super. Là, c'est absolument phénoménal. Lorsqu'on a vu les grimpeuses précédentes et on sait qu'elles sont. Allez. Oh là 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 là, elle est en train d'imprimer son rythme. Elle est en train de faire de cette finale son domaine. Oh là là! Très très impressionnant. Non mais du coup, elle met la pression à Fanny derrière qui va être obligée de. C'est voilà. Ça. Et Fanny ne le sait pas. Si, elle entend. Elle entend. Elle entend, ouais, elle bien sûr. Et puis elle voit surtout la copine rentrer ouais. Deux secondes après être sortie. Retour à l'isolement, ouais, c'est sûr. Ouais. J'ai vu souvent grimper Hélène Janico ou Manon Illy. Alors pareil, en diff, je connais leur potentiel. Mais là, Naïlé est comme ça. C'est absolument sidérant, ça me laisse bouche bée. Fanny Gibert, la championne de France en titre, qui se retrouve donc avec une grosse pression. Elle a compris ce qui se passait. Et à partir de là, eh bien, il faut l'oublier. Il faut oublier Naïlé, là. Oui, là, voilà. Là, elle fait son match. Pour faire le bloc. Fanny a fait un super tour de demi-finale tout à l'heure. Elle a été impériale. Allez. C'est vrai, elle a fait les quatre blocs. Et ben voilà. Voilà, déjà là. Mais c'est pas. Voilà, il y a quatre blocs. Après les bien essais. Sûr, bien sûr. Bien ce qui sûr. Est important, c'est de. C'est où de valider les blocs déjà. C'est pas le plus important à la fin, je vous rappelle, ça sera le nombre de blocs. Hein. C'est pas forcément le. Voilà. Allez, Fanny. Il faut qu'elle reste dans sa concentration, dans sa gestion des essais. À lui, c'est grave important. Mais le but du jeu, c'est toujours de sortir le bloc. Surtout que son objectif, c'est le bloc, hein, c'est la Coupe du Monde, pardon. Hein. C'est ça. Donc là, elle s'est laissée embarquer. Le prochain coup, ça devrait le faire. En termes de préparation, son objectif, c'est à partir de dans un mois. Voilà. Pour la saison elle 2019. Elle se prépare pour dans un mois, exactement. Par contre, je peux vous dire que le caméraman, là, les deux caméramans, les mecs qui sont rentrés. Alors. Je vous disais que. Allez, c'est ça, super. Il existe peu de grimpeurs ayant 4 titres de champion de France. François Kayser chez les hommes. En l'occurrence, en est un. Voilà, du coup, elle va repartir pour remonter en gainage. Grand écart. Et mine de rien, s'il pouvait aller figurer au tableau à côté de François Kayser, ça lui plairait. Elle me l'a dit dans un couloir tout à l'heure. Allez, super. Allez. Ouais. Yes. Allez, magnifique. Et la salle, François Legrand ici à Baconnière qui s'enflamme à nouveau. Allez, Fanny Gibert qui va chercher son top et qui reste dans la course. Regardez la sérénité de Fanny. Bon. Quel match. Ça promet absolument. Alors, Hélène Janico reste devant Maëlys Agrapar en troisième position. Elles ont un bloc chacune, mais il y a une prise de zone d'écart en faveur d'Hélène. Et puis, il y a moins d'essais. Alors, il faut absolument que Manon Illy fasse parler tout son talent. Et pour l'instant, donc, Naïlé Maignan, un essai à chaque bloc. Elle est sur du 100%. Elle arrive, elle grimpe au sommet et elle repart les deux fois. Et puis Fanny Gibert qui prend deux essais sur chaque bloc. Ça peut faire la différence, mais en tout cas, rien n'est joué à ce stade. Nous sommes à la moitié de la compétition sur ces finales. La salle est bondée, les gens... sont assis dans toute la largeur de la salle.
debout pour certains contre le mur. Et régulièrement. Alors nous, avec Cécile, on se voit à tous ces rendez-vous-là sur les championnats de France. C'est toujours une grande fête de l'escalade. Je dois avouer que d'année en année, c'est de mieux en mieux. Bloc 3. Allez, Lucille. Alors, bloc 3, première partie, pas vraiment déversante. Donc, les prises avec une partie en bois. Donc, la partie en bois qui, l'adhérence, est pas super. Ce sont des planches de skate. Le grip est accrocheur, mais le bois... De l'autre côté, il y a du grip, exactement. Le bois, pas. Donc là, il n'y a pas trop de dévers, un tout petit peu. Et de face, donc des petites prises de pied au départ, la prise de zone juste au-dessus de celle qu'elle a. Voilà, donc là, il faut transférer pour amener la main. Yes, monter les pieds. Donc là, elle y va pour valider la prise de zone tout de suite. Elle sent que c'est délicat et donc elle a préféré valider d'abord. Donc là, elle met son talon pour pouvoir tirer davantage. Ouais. Là, il va y avoir un mouvement dynamique, non? Il va falloir qu'elle aille... Il va falloir remonter. Si, elle a plus besoin de prendre appui sur la zone, là, non? La zone, ça y est. Oui, elle l'a validée, donc elle peut traverser ou il faut qu'elle se hausse, qu'elle se rehausse à nouveau d'un cran. Non, elle... Allez, Lucille. Du coup, elle prend bien le temps de souffler. Voilà, c'est important de reprendre toutes les informations. Allez, bientôt 1:30 restante, 1:30 restante. Je suis intrigué de la façon dont on franchit cette diagonale jusqu'à la prise suivante. Est-ce qu'on a besoin de la prise de zone ou est-ce qu'une fois validée, on peut l'esquiver? Donc du coup, il y aura sûrement un passage où il faut envoyer le pied sur la pastèque noire du bas, ouais. Et la main sur la pastèque du haut. Très belles images là avec ce fond bleu. Image signée Festivisuel. Merci à toute l'équipe d'ailleurs qui œuvre en coulisses. Donc, du coup, plus que quelques secondes là, si elle veut avoir le temps de réaliser le bloc, il faut partir. Hop là, bon. Là, quand tu as été prendre la zone et que tu comprends que tu n'as plus le temps, est-ce que tu n'as pas intérêt à te reposer un peu et à dire, allez, j'arrête là. Là, ce sera pas suffisant. Allez, bravo Lucille. On peut l'applaudir, Lucille. Maëlys Agrapard à suivre. Maëlys qui est donc au coude à coude avec Hélène Janicot pour aller chercher une troisième place potentielle à ce stade. Alors, Maëlys va-t-elle ouvrir le bloc? Allez Maëlys, allez,
Donc elle valide la zone également. Oh, le petit pied fuyant, donc on voit les prises de pied hein, qui sont toutes petites. Mais en plus d'être petite, il n'y a pas de bord, de rebord franc sur lequel on peut appuyer et charger. Donc souvent c'est fuyant. C'est ce que vous appelez une croûte hein, dans le jargon, non? On peut dire une croûte, oui. Une vraie croûte. Une vraie croûte. Donc là, elle a frotté son chausson. Pour là aussi enlever le dépôt de magnésie et de éviter de s'encrasser, d'avoir une pellicule. Le but, c'est d'avoir... C'est un caoutchouc hein, sur les semelles. Oui, oui, oui. Il y a un grand savoir-faire des fabricants pour une texture particulière. Oui, il y a des fabricants qui ont leur recette secrète. Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, ça repart pour Maëlys Agrapar, allez, on la lâche pas, s'il vous plaît. Effectivement, ça peut lui convenir. Voilà, donc elle se remonte bien avec la prise en épaule, allez, la prise de zone, c'est ça, allez, faut continuer à se monter dessus. Et il faut transférer pour aller vite chercher à droite. Il faut vraiment se remonter très très fort pour bien passer en épaule et après mettre une accélération, quoi. Engager le mouvement pour transférer à droite en envoyant le pied, tout ça. Ouais. Tout ça d'un coup. Voilà. Et encore une fois, Cécile le mime littéralement. Nous c'est bon, on a la solution ici. Tu sais, c'est comme les consoles de jeu, rond, croix. Allez, Maëlys. Allez, il va lui rester une. La zone, c'est OK. Maintenant, le sommet, ça peut être le top, ça peut être quand même une bonne option. Le podium est encore à portée de main. Allez, continue à monter dessus. C'est pas mal. Allez, on voit que c'est pas facile à voilà. Allez, le public. Yes. Allez, pour l'instant, elle est la première à s'approcher du mouvement suivant. Ah, pas loin. 30 secondes. Ah, ça va être compliqué. Allez. Il reste peu de temps pour... Garde ton énergie. Après, en phase de finale, en fait, tous les grimpeurs passent les uns derrière les autres. Ils ont plus de temps pour récupérer entre chaque bloc. Ah oui. Dans les tours de qualification et de demi-finale, donc même c'est tout le temps 5 secondes, minutes. Tu lui dis d'y aller. Bah après, vaut mieux tenter. Hein. Il y a du temps pour récupérer après. Back. Mais c'était... c'était quand osé. Même minime. Bravo, Maëlys. Et puis, il y a aussi un respect du public, je pense, lorsqu'on quitte la scène avant que... Ah, avant et puis l'envie de ne pas abandonner, quoi, ouais, de donner c'est, tout ce qu'on a. Et c'est dans la culture de ce sport. Alors, Hélène va-t-elle nous montrer le passage? Oui. Et surtout prendre un petit peu le large là sur Maëlys qui l'attaque. Il l'attaque dans sa position. Allez, on peut l'applaudir Hélène Jalico sur ce bloc numéro 3, c'est l'avant-dernier bloc. C'est marrant là aussi où justement je parlais du respect du public. Elle arrive et elle dit quasiment, elle salue quasiment le public, elle le regarde avant de se retourner. Alors, est-ce que ça peut être aussi. On a vu que la prise de fin a l'air. Très fuyante. Il y a certes du grip, du grain dessus, mais je crois qu'elle est orientée avec une pente non favorable. Quelle sévérité de la part des ouvreurs. Oui, mais ils ont misé sur l'exigence technique, physique, pour préparer les athlètes pour les échéances internationales. Donc, Et vraiment avec
des prises très très variées. Il y a tout le panel de ce qu'on peut trouver sur le marché. Il y a énormément de productions différentes. Donc là, on avait vu un gros poulant sur les prises de pied. On voit qu'il y a juste un petit bourrelet pour trouver une adhérence au niveau du pied et charger. Elle a trouvé la solution tout de suite. Hein. Donc peut-être que ça va le faire. Dac. Je te fais confiance si tu dis que c'est la solution. C'est inspirant cette tranquillité, cette respiration là face au défi. On sait que derrière elle, il y a je sais pas combien de centaines de personnes, des milliers probablement si on compte les téléspectateurs. Et elle est là. Le temps coule, mais il n'y a pas le choix. Il faut prendre ce moment, il faut prendre ce recul. Ouais, c'est important justement de tous ces contrastes où des fois le grimpeur joue avec le public et des fois où il se met vraiment dans sa bulle, dans sa concentration pour déchiffrer tout ce qu'il peut déchiffrer, prendre les informations importantes et laisser passer ce qui n'est pas important, quoi. Allez, jusque-là, elle est parvenue à ses fins, au moins pour la prise de zone jusqu'à présent. Mais là, l'objectif, c'est d'aller tout en haut. Elle est parvenue à ses fins dans les dernières minutes, on va dire. En l'occurrence, elle va avoir moins de pression, elle, au niveau international cette année, puisqu'elle va être fort occupée au Pôle France, à Voiron. De toute façon, voilà, elle fait partie des ouvreurs. Maintenant, elle ne peut pas concourir en équipe de France. Donc là, ce championnat de France, c'est un petit peu pour garder le rythme. Pour garder le rythme. Du coup, avec les athlètes qu'elle entraîne, elle peut faire partenaire de grimpe aussi. C'est quand même pour l'émulation, pour booster, c'est intéressant. Et pour garder l'exigence en fait, de l'ouverture, pour pouvoir proposer des passages d'escalade pertinents pour les grimpeurs en compétition. Allez, Hélène. Ouais, donc là, du coup, le temps passe. À court de jus. Allez, les 20 dernières secondes qui s'écoulent, elle s'en va. Bon, ça ouvre du champ, enfin, ça laisse toujours du champ ouvert à Maëlys. Donc là, on voyait le gros plan sur le pied, on voyait que le pied descendait un petit peu sur la prise et qu'il allait certainement. Ça lui échappait, ouais. Elle n'avait pas l'appui du pied droit, là. Ouais. Bien, et voici nos deux protagonistes de tête. Il y a Manon. Oh, pardon. Ah oui, mais j'aimerais bien qu'elle revienne au niveau où on peut l'attendre, Manon également. Manon Illy. Et je rappelle qu'on fait les interviews. Et je rappelle que la saison exceptionnelle de difficultés qu'elle a fait l'année dernière, hein, Manon. Du coup, elle était très souvent finaliste en Coupe du Monde de difficulté sur les étapes. Et au général, elle finit quatrième de la Coupe du Monde 2018. Ouais. Il faut, mesdames et messieurs, absolument que vous regardiez le niveau international. Il y a tout un tas de vidéos disponibles, notamment en ligne. La Fédération internationale, c'est l'IFSC. Ah. Et vous retrouvez notamment sur la chaîne YouTube de l'IFSC toutes les vidéos des compétitions pour vous rendre compte à la fois du niveau international, à la fois des grandes nations. Et là, du coup, si elle pousse fort, si elle arrive à bien développer sur sa cuisse, elle peut aller directement sur la prise noire après. Il faut développer et en même temps sauter pour envoyer le pied de l'autre côté. Allez,
Allez, 2 minutes 30 bientôt, on est, elle est encore assez confortable. Allez, Manon. Allez. Allez, s'il vous plaît, en tout cas, merci à nos juges qui font un travail remarquable. Je t'ai claqué, mais. Faudrait monter. Je t'ai claqué, mais c'est tellement du boulot. Allez, allez, on y va pour Manon Illy, s'il vous plaît. Le pied gauche. Oh, allez, Manon, vice-championne de France 2018. Elle était sur le podium. Et ça serait quand même juste qu'elle arrive à venir taquiner un petit peu. Bah, elle était juste derrière Fanny hein, l'année dernière, derrière Fanny Gibert. Donc, on lui souhaite plus de réussite maintenant. Allez, c'est le moment. Donc il y a son entraîneur, Vincent, de La Réunion, qui doit être derrière. Donc on pense à lui. Bien sûr, on les salue. Allez. Je pensais également aux équipes de Blockout Strasbourg, Blockout Bordeaux, Montpellier. À Lys également, où nous avons vécu les Fontainebleau l'année dernière. Allez Manon! Ah, elle tente un autre passage. C'est vrai, quelques secondes, une fois que la zone est validée. Et oui, voilà. Là, voilà, faut... Sur le côté droit, là. Pastèque noire inversée. Ouais. Là, on rêve un petit peu. On a tellement vu de choses extraterrestres en escalade depuis plus de 20 ans. Tu vois, allez, et Christopher le dit aussi, on a déjà vu des choses complètement extraterrestres. Donc, pourquoi pas. Allez, c'est terminé. C'est le pied, ouais. Bravo Manon. Et toujours ce sourire, elle s'effondre absolument pas. L'état d'esprit est très très bon sur cette finale 2019. Il y a des enjeux, on sait ce qui se joue derrière, mais voilà, c'est comme ça, on fait avec. Donc sur les prises de vis, là on a vu qu'elle avait mis le doigt dans un trou de vis. Ouais. On n'a pas le droit de mettre le doigt dans les trous de vis de sur les support, de, voilà, ouais. Des plaques de mur. Mais sur les trous de vis dans lesquels on visse les volumes et les prises, on a le droit. Okay. Voilà. Et pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure lors de la phase des finales hommes, eh bien on a vu Jérémy Bonder chercher à passer ses doigts entre un volume et le pan. Et il s'y est presque tenu. Je pense que ah bah il y avait à peine de quoi passer l'ongle. Ah ouais. Ouais, complètement dingue. Donc Naïlé, on va voir comment ça se passe sur ce bloc-là. Là, elle remonte tout de suite le pied, c'est bien ça. Allez, le phénomène Naïlé. Alors Chambéry, hein, c'est la mèche. Et alors elle, on la voit bien quand même sortir la hanche. Et c'est vrai que l'avantage de Naïlé, c'est qu'en plus d'être une grimpeuse de talent, c'est une gymnaste. Bon, alors Naïlé qui concède un essai. Tac, 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 ça y est. Bon, la prise de zone est validée. La suite, elle lui a un peu posé problème, mais je pense qu'elle va rapidement trouver la solution. Elle était presque niveau national en gym. Donc, c'est une biathlète. Alors, des biathlètes en escalade, il n'y en a pas eu non plus des masses. Allez, Naïlé. Donc, on la voit pour la première fois dans la gestion des essais. Salomé Romain. Elle prend bien du recul, prise d'information. Mmh.
Et pendant que la musique va crescendo en rythme et en intensité, Nelly qui s'agrippe de nouveau à la prise de départ. Allez, le public veut qu'on vienne cingler là, allez. Allez, et on sait que le podium se joue. Yes. Voilà, mais sauf que là, elle s'écarte beaucoup du mur, il faudrait réussir à le faire. En restant le ventre au mur. Oui, en tout cas plus proche. Et là, elle a emmagasiné déjà de l'info. De l'info, exactement. Donc elle brosse bien toutes les prises là. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Elle se recule bien. Elle est complètement dans la maîtrise de sa finale. Il y a une maturité chez cette toute jeune grimpeuse, toute jeune athlète, 15 ans. Eh bien, 15 ans, mais elle a été championne d'Europe de bloc l'année dernière dans sa catégorie. Oui, oui, non, mais... Et vice-championne du monde dans sa catégorie également. Hein, donc, voilà, la maturité. Les jeunes ont la chance de pouvoir avoir des circuits de compétition bien développés et se faire l'expérience. Donc là, elle a tenté d'envoyer les deux mains carrément et envoyer le pied sur la pastèque noire. Alors Christopher a demandé au DJ de couper complètement le son. Et regardez, ça lui donne le sourire. Allez, et de faire applaudir vivement le public. Et lui donner l'influx. Allez. Allez, là, allez. Voilà, il y a Lucas qui lâche rien. Allez. Quel délire. Allez. Une grande famille de grimpeurs et de montagnards également, hein, tout court. Allez, c'est terminé. C'est terminé pour Nailé Ménian sur ce bloc-ci. Attention, tout ça est loin d'être joué. La réponse de Fanny Gibert dans quelques instants. Pour l'instant, donc... elle est en embuscade, Fanny. Elle peut profiter de cette ouverture-là avec Nailé qui n'a donc pas été chercher le sommet de ce bloc. Fanny peut être la seule à aller inscrire des points. Encore faut-il trouver la solution, là, et faire basculer le match en sa faveur pour l'instant. Attention ! Et c'est là que Fanny est super dangereuse. Et voilà, donc Christopher prévient, c'est dans ce genre de situation que Fanny, avec son mental et sa capacité à... et sa régularité, sa capacité à ne rien laisser, on l'a vu, elle a fait 100% de réussite sur la demi-finale. Rien ne lui a échappé et ses principales adversaires étaient loin derrière. C'est ce qu'on expliquait, c'est le nombre de blocs qui sont... Il faut bien se déporter. Alors, allez chercher à valider d'entrée de jeu. Allez. Donc, elle est engagée là. Elle n'a pas envoyé le pied, mais elle a senti quelque chose. L'accélération, en fait. Bien se remonter sur la prise et après engager fort. Donc on est d'accord qu'une fois qu'on a les deux mains sur la pastèque du haut, on a vite le pied droit qui vient bloquer sur la pastèque du bas. Oui, oui, oui. D'accord. En théorie, c'est bon. C'est comme ça. On est pas mal. Oh là là. Allez. Et on salue encore une fois le travail donc des ouvreurs avec derrière Jérémy Tonneau, le chef ouvreur, Romain Cabessu, Julien Gras, Quentin Boulet et Pierre Broyer. Allez. Et c'est l'avant-dernier bloc, messieurs dames. Hein. Regardez la précision, c'est la précision de Fanny Fjordor. Donc là, elle va se mettre dans le trou. Elle va se mettre dans le trou. Et c'est vrai que... Il faut vraiment accélérer, mettre... Elle est magique. Elle est absolument somptueuse. C'est beau, c'est bien.
dans ce qu'elle, dans ce qu'elle produit, elle le sait, elle le sait. Elle est comme Jérémy Bonder tout à l'heure. Elle laisse brosser, elle se concentre. C'est bon, elle a la clé. Allez, c'est avec, son, ouais, avec le pied gauche, il y a quelque chose, à un appui à trouver plus rapidement. Allez, elle a la clé, il lui reste plus d'une minute trente. Regarde ce regard. Oh, j'aimerais pas être le mur. Hein. Ouh là 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 là. Ouais, ouais. Non, non. Il y a un truc qui s'est dégagé là sur ce dernier mouvement. Tu vas aller jeter un coup d'œil du côté du groupe Safri Duo. Elle a compris. Alors le nom, je l'ai plus de la musique, mais. Blaze Alive. Blaze Alive, Safri Duo. Nous, on appelle ça en escalade la 14. Voilà, donc elle gère. C'est-à-dire que là, elle laisse couler du temps pour récupérer, pour récupérer ce qu'elle va faire. Parce qu'elle sait ce qu'elle a à faire. Ouais. Allez, mesdames et messieurs, probablement la bascule de ce match. Allez. Si elle peut appliquer la recette qu'elle vient de composer dans sa tête, eh bien, elle est capable, allez, aux grandes dames de Neyley Maignan, d'aller chier. Voilà, et voilà, et voilà. Attends, c'est pas fini, le dernier move, pas fini. Le dernier surprise, elle n'est pas bonne. Oh là 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 là. La reine. Fanny Gilbert, la patronne, elle agit en patronne. Waouh! Oh là là! Moi, c'est le mental hein, qui me ouais, fascine. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une championne comme ça pour dire, mais attends, je sais, je vais faire ça, c'est le geste qu'il faut faire. Je l'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, mais je vais insister, ça va marcher. Elle a senti que c'était ça. Et là, j'y suis. Voilà. Et là, il y a déjà. Il y a un moment où là il y a de l'adrénaline, là il y a une décharge. Là il y a une décharge. Ouais. Merci pour le ralenti, Festivisuel. Là il y a une décharge d'adrénaline. Et puis voilà, allez. Yes. Tac. Et là il y a 10 décharges d'un coup. Oh, quel spectacle. Bon, ouais, mesdames et messieurs. Un mouvement, là. Ah ouais, non, il n'y a plus qu'à rester vissé devant votre écran. Nous allons avoir donc le dénouement. Avec une Fanny Gilbert impériale qui va chercher les trois sommets. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Il se pourrait que allez, Manon, Illy aille faire quelque chose de qui lui corresponde là et reprendre des points notamment. Pour l'instant, on est avec Lucille Sorel. Et on repart. Et d'ailleurs, entre Lucille, Fanny et Manon, la réunion est quand même bien bien représentée. Exactement, ouais. La moitié des finales. Alors là. Hey, la gauche, levez les bras, allez, le 50% de réunionnaise sur la finaliste de ces championnats de France 2019. Et la baconnière qui applaudit, main en l'air ici, dans la salle. Ça chauffe. Nous sommes en rythme. Ah ouais. Super ambiance. Et dans le dernier bloc, ça pulse. Donc, grosse coordination. Il faut bien envoyer et accélérer au niveau des prises de main. Sylvain, on passe complètement dans un autre univers. Ouais, effectivement, là, c'est vraiment un style différent, vraiment la coordination. Il faut se jeter sur le. Ouais, c'est ce qu'avait dit Jérémy. Hein. Le dernier, ça sera ouais, de la coordination et du. Allez, Lucille. Okay, merci, hein, pendant que Lucille. Yes, voilà, super. C'est bien ce qu'elle fait. Et c'est exactement ce qu'il faut. Prise de zone. Prise de zone au deuxième essai. Allez, maintenant, il faut gagner la puissance de retenir et d'aller jusqu'en. Regardez, ça se joue avec des fissures, avec des empreintes dans les blocs. Et là, évidemment, elle est propulsée. Waouh, les prises, bon, sont des réglettes avec des pinces. Donc, la pince, c'est quand on met en opposition le pouce. Là, il y a juste un petit bourrelet pour. Les quatre doigts et un petit bourrelet de l'autre côté pour mettre en opposition. Et c'est une prise pince, c'est ça. Voilà le conseil départemental de la Mayenne, monsieur. La
Alors là, on imagine évidemment cette finale qui va demander aux athlètes de sortir leur plus belle grimpe. On va finir en bouquet final, en feu d'artifice total là. Ça y est, Lucille, dès son deuxième essai, nous a déjà propulsé la salle. Et c'est vraiment chouette, hein. Il y a plein d'enfants dans le public, plein de petites familles. Et donc, autant de grimpeuses et de grimpeurs en devenir, on le souhaite. Le championnat de France qu'on fait ici, il y a eu une Coupe du Monde à Laval, une Coupe d'Europe ou un championnat d'Europe. Je crois que c'est une Coupe d'Europe. Et c'est pas allez, Lucille. La salle qui va arriver. Merci aux vieux campeurs. Allez, Lucille. Allez, dernière minute. Elle a un peu traîné pour aller chercher ma droite. Et son corps est parti un petit peu trop fort. Le bloc en escalade, il y a le plus de traumatisme. Parce que, regardez, là, si elle ne serre pas les prises, elle se fait maltraiter, Lucille. Tac. Voilà, ça c'est solide. On a vu un peu se faire retourner comme une prête. Le bloc, c'est effectivement l'une des disciplines les plus traumatisantes, hein, vraiment pour les chutes. On prend vraiment des chocs. Alors, elle va passer au deuxième. Non, au troisième peut-être. Là, les surfaces de préhension ne sont pas très très grandes. Ouais. Donc, du coup, plutôt que la pince, elle passe en appui de paume. Avec toute la main. Plus que 10 secondes. Et toujours ce sourire. Le plaisir était là. Et puis voilà, allez, elle a terminé. La salle l'applaudit. Elle quitte cette finale avec cette grimace. Mais avec un grand soulagement. Et elle le sait. Ouais, belle elle compétition. Était à son niveau, bien sûr. Elle s'est offert une très très belle finale. Même les demi-finales. Évidemment. Super, oui, oui. Belle prestation. Allez, bravo Lucille. Maëlys Agrapard, donc, pour aller accrocher encore quelque chose. Et éventuellement accrocher le podium, hein, toujours possible pour Maëlys. Elle aussi, tu vois, à chaque fois dessus, tu regardes les mains. Et là, à ce moment-là de la compète, les doigts, ça doit être un cauchemar. Ouais, le week-end est long, là, et elles ont tapé beaucoup de runs, notamment sur les finales, là, elles ont vraiment mis beaucoup d'essais. Donc elle s'imprègne du mouvement de coordination du début. Pour avoir le bon timing, en fait, si tu ne fais pas les bonnes actions au bon moment. Et en l'occurrence, elle s'est concentrée sur le move jusqu'à la prise de zone. Mais ouais, après, elle n'a pas regardé. Donc si elle y arrive, ce qu'on lui souhaite, est-ce qu'il est complètement à sa portée? Ah, c'est ça, oui. Mais elle avait regardé avant. Ouais, hein, ouais, bien il y a, sûr, il y a les, quatre, les deux minutes d'observation avant d'arriver au. Avant que la compétition ne commence. Mais elle, voilà, j'imagine que c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire. Mais là, elle de le regarder fait. Jusqu'au bout, oui. Alors, on aura au terme de cette finale la même petite cérémonie. Allez, on retrouvera. Non, d'abord, on aura les interviews par Christopher. Pas assez rapide pour aller chercher à droite. Allez, Maëlys. Des trois vainqueurs, donc médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Et puis, ils auront une petite. Remise de fleurs symbolique, les podiums en eux-mêmes, le protocole officiel, eh bien, vous ne le vivrez pas à l'écran. Nous quitterons avant, mais nous donnerons rendez-vous pour les autres grands rendez-vous de la grimpe d'ici là. Et puis voilà, ça vous motivera à venir dans les salles d'escalade, notamment lors des compétitions, également encourager les athlètes. Et puis, si on parle de l'organisation de ces compétitions, allez Maëlys, eh bien, au passage, on remercie évidemment le club Bacco Grimpe ici, avec le comité territorial de la Mayenne pour l'organisation de ce championnat. C'est donc le comité local d'organisation et le club et le comité territorial, ainsi que le département compétition de la fédération pour la gestion sportive de l'événement.
Merci également aux partenaires, la commune de la Baconnière ici, la communauté de communes de Lerné, le département de la Mayenne et la région Pays de Loire. Allez, allez. Elle n'envoie pas la main droite. Oh. Allez, une minute, Maïs. Donc on a vu, elle avait plein de pansements sur les bouts des doigts. La peau de ses doigts, elle commence à saigner et du coup, elle mettait des bouts de strap dessus. Et ça doit la gêner, donc elle les a enlevés hein, en espérant que ça ne saignera pas. Ah, le tout pour le tout, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça complique la tenue de prise. Allez. Oh, oh non, punaise. Ouais. Mais ça va. Ouais. Mine de rien, c'est là, on vous en parlait, hein, de l'impact. Des gros tapis, c'est bien d'en avoir. C'est bien d'avoir des bons gros tapis. Des trois disciplines, c'est la plus traumatisante pour les articulations, non, je pense. Ouais, ouais. Pour les chevilles et genoux. Oh là 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 là. Ah, puis elle donne tout. Quel warrior, quelle guerrière. Quelle guerrière. Maëlys Agrapar. Qui aura du mal à aller chercher Hélène Janicot et la troisième place de cette compétition, mais elle se sera magnifiquement bien battue. Et puis il lui reste encore évidemment toute la saison pour s'exprimer et voire même bien plus, parce que du haut de ses 21 ans, la vie lui est ouverte. Hélène Janicot. Eh bien, ouais, Hélène, hein, super. Ouais, on joue le podium avec Hélène, là, la troisième place. Et en l'occurrence, ni ouais. Manon Illy n'ira pas la chercher. Maëlys Agrapar pouvait faire quelque chose, ça n'a pas donné. Donc elle sera sur le podium. Hélène Janicot, à ce stade, en réalité, on n'a pas l'ordre. On n'a pas l'ordre, mais Hélène Janicot s'assure la troisième place. Il y a peu de chances qu'elle aille prendre autre chose que ça sur le podium. Mais c'est déjà évidemment super bien pour celle qui a quitté la compétition, en tout cas à très haut niveau, au niveau international. Et donc, il reste le match pour la première place entre Naïlé et Fanny. Voilà. Allez, Hélène. Yes. Bah, elle s'arrête direct. Voilà. Et elle va chercher profite, le public. Elle profite et ça fait plaisir à voir. Hein. C'est super. Parce que pour l'avoir vue sur des compétitions où elle grimpait, on sentait que c'était dur pour elle, elle était crispée. Là, on la voit complètement libérée. Et, elle peut exprimer le niveau qu'elle a, même si finalement elle s'entraîne moins. Là. Ouais. Elle vit sa passion. Elle est heureuse comme tout. Elle est heureuse comme tout. Elle a eu ce petit frétillement point serré. Là. Elle sait que elle assure sa troisième place. Quoi qu'il arrive. Ah, puis après avoir fait de nombreuses années de compétition, d'avoir été sur les podiums de Coupe du Monde, voilà, c'est tout ça qui ressort aujourd'hui. Et elle en profite au maximum et c'est super. Écoute, ça me rappelle justement chez elle, à Rion, un championnat de France où tu étais et où tu es venu te faire plaisir également. Tellement plaisir que je t'ai encouragé au micro et puis finalement t'as loupé une dégaine et t'as loupé le titre de championne de France, mais t'es redescendu oui. Avec le sourire tellement c'est ça, ta carrière t'as déjà comblé et t'étais heureuse d'être là au milieu des amis. Allez Hélène. On voit tout le travail de pince là, dans la tenue de prise. Allez, 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 yes, c'est ça. Quelle puissance, allez. Quelle puissance dans les phalanges là, dans la musculature de la main. Le doigt. Quelle force, ouais. Ouais. Oh là 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 là. Et voilà, la salle François Legrand est à nouveau déchaînée pour. La première à ouvrir le chemin du sommet, elle n'aura pas, volé son podium en championnat de France. Et attention, bon, Naïlé va pas en rester là, hein, mais y a peu de chances que Naïlé n'aille pas chercher la prise de zone. Mais en tout cas, voilà. Bah,
elle est complètement à sa place et elle vient inscrire donc cette troisième place. Elle vient assurer cette troisième place. Alors, à ce stade, si on devait arrêter la compétition maintenant, Fanny Gibert reste première, quoi qu'il arrive. Et pourtant, maintenant, si Naïlé Maignan va au sommet, et que Fanny Gibert n'y va pas, mais ça, c'est quand même peu probable, eh bien, le match est encore ouvert. Pour l'instant, nous sommes avec Manon Hilly. Et nous lui souhaitons d'aller inscrire un sommet, un top dans cette finale de championnat de France. Je le disais tout à l'heure, elle joue la qualification olympique. La qualification olympique, elle passe à la fois par aussi deux. Allez, Manon. En bloc, en glitch et en vitesse. Donc, du coup, c'en est quand même un. Maintenant, on est encore à 5 semaines des premières Coupes du Monde où elle va aller, puisqu'on met Meringen en avril. Donc, c'est pas l'objectif prioritaire, on va dire. Ouais, c'est là que vous avez vu, elle se prend quand même bien éjectée. Là, faut tirer plus fort sur la première prise. Ils les ont pas épargnés, les ouvreurs, hein, pour ce dernier bloc. Là, ils les obligent à aller chercher dans leur retranchement. Eh ouais, mais tous les blocs ont été sortis. Hein. Allez, Manon. En tout cas, une très très belle mise en scène signée Création. Vous voyez le logo là-haut au sommet de votre écran, aux côtés de celui de la région Pays de la Loire, et en l'occurrence donc une très très belle mise en lumière de ce sport spectacle qu'est l'escalade de blocs. Allez Manon, allez, 2 minutes, moitié du temps réglementaire pour Manon. Allez, 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 yes. Et ça catch. Allez, c'est bon. Catch, direct, en fait, elle est allée direct sur la prise de zone. Alors. Est-elle aussi forte dans sa préhension? En doigt. Elle est largement assez résistante pour passer ces obstacles. Allez Manon. Allez. On peut en sauter aucune là, on peut sauter aucun disque? Il faut vraiment aller les prendre tous les quatre? Non. Non, pas forcément. Ouais. Yes. Parce que celui qui a la sauté, il est vraiment pas bon, et là l'inversé est meilleur. Allez. Mais est-ce qu'elle peut mettre la main gauche devant la main droite maintenant? Il faut qu'elle aille relancer. Ah, c'est ça. Ah, Manon. Dommage. Dommage. Alors qu'elle était vissée avec cette main droite, donc c'était probablement. Ouais, c'est du ça, coup, le c'était risque en inversé. Elle était bonne en inversé, mais elle n'était pas suffisamment haute. On voyait que son coude se levait et qu'elle n'était pas bien là. Du coup, là, c'était difficile de déplacer sa main gauche. Dernière minute. Alors là, pour la Réunionnaise. Allez, Manon. Beaucoup dans ses forces, dans ses réserves. Quelques secondes pour récupérer, ça semble un peu difficile, mais. Mais elle les prend. Mais voilà, c'est le dernier bloc de la compétition. Il faut tout donner. Allez, yes. Oh. Waouh. Waouh. Tu crois qu'elle a été surprise ou c'est ce qu'elle voulait? Non, non. Elle a ramené vite, fait la main gauche pour tenir. Est-ce qu'elle va le faire, le public, s'il vous plaît? Allez. Allez. Oh, dommage. Ouais. Oh. À genoux, elle baisse la tête, mais elle sort avec ce beau sourire et ses yeux pétillants de celle qui n'a aucun regret, qui s'est bien battue.
Ouais, franchement, là, le dernier bloc, là, c'est pas magnifique. Loin. Et puis, ouais, ce dernier mouvement est très, très beau. Et franchement, son résultat, au final, à l'affichage, n'est pas à l'image de la grande grimpeuse qu'elle est. Mais de toute façon, elle est en finale. De toute façon, elle a été vice-championne de France en bloc, qui n'est donc pas sa discipline de prédilection l'année dernière. Donc, il n'y a absolument aucun regret. Et c'est tout à fait... tout à fait bien qu'elle sorte, voilà, avec ce visage, elle remercie le public et nous la remercions. Attention, Christopher et DJ ont décidé d'enflammer la salle François Legrand ici à la Baconnière pour l'entrée en lice de Naïlé Maignan. Naïlé qui va devoir se battre et qui ne va rien lâcher, qui va aller chercher le top le plus rapidement possible et qui va faire parler elle aussi la force de ses de l'appréhension de ses doigts. Allez Naïlé, la salle est en transe, mesdames et messieurs, tout le monde tape des pieds et des mains. C'est un phénomène que nous vivons ici, le phénomène Naïlé Maignan. Ah non, elle revient en arrière, mais c'est un... Elle recule d'un pas pour avancer de deux. Ce deuxième disque, les préhensions sont vraiment pas bonnes. C'est ultra intelligent ce qu'elle fait. Elle a l'intelligence du geste. Ouais. Elle a l'intelligence de son sport. Elle fait d'ores et déjà partie des très très grandes. Oh, Naïlé Maignan ! C'est vrai que le deuxième disque qu'elle prend, c'est pas là où les préhensions sont les meilleures. Donc c'est surprenant qu'elle utilise celle-ci. Alors, à ce stade, mesdames et messieurs, elle est vice-championne de France, quoi qu'il arrive. Elle est devant Hélène Janicot puisqu'elle a signé la prise de zone. Donc quoi qu'il arrive. Mais vous ne pensez tout de même pas que le match va s'arrêter là, dans la tête de Naïlé Maignan. Ah bah non. Vous ne pensez tout de même pas qu'elle va laisser s'échapper l'opportunité d'aller chercher Fanny Gibert sur son terrain, d'aller lui chipper la médaille autour du cou. Attention, il nous reste plus de 2 minutes et elles vont être cruciales, ces 2 minutes. Ça y est, tout le monde a les mains en l'air et fait des papillons de droite et de gauche. Si on peut avoir un plan sur la salle, la régie, regardez comme c'est beau. Voilà ce que c'est qu'un championnat de France d'escalade de bloc. Mesdames et messieurs, la grande famille de l'escalade réunie ici. Elle est déjà à ce stade de la compétition vice-championne de France, mais c'est le sacre qu'elle vise. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans, elle n'est pas prête de s'arrêter. Au contraire, elle est tout juste dans la prise d'élan d'une très belle et longue carrière qui s'annonce. Allez, Naïlé Maignan. Du coup, c'est l'arrivée à choper le troisième disque. Ça... Ah, elle t'a entendu, mais... bon. Allez, la salle va s'y remettre. Tout le monde va reprendre le rythme des applaudissements. Dès qu'elle va aller se mettre en position de départ. Et pour cette dernière minute, ils vont tâcher de la porter au sommet. La Baconnière, Cécile, comme tous les ans, hein, c'est dénouement sur ces championnats de France. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas. Mais les Maignan ou Fanny Gibert. Tout peut bouger. Allez. Allez, qu'elle sort après la vie de cette finale à la Baconnière. C'est la première fois qu'on la retrouve en finale des championnats de France. C'est la première année où elle a le droit de faire. Et nous sommes ici à hocher de la tête et à applaudir avec eux, avec le public, avec vous. J'espère que vous vibrez autant derrière vos écrans. Allez, non, 20 secondes, ça va être compliqué. Allez, elle y va. Elle y va quand même, elle y va pour le respect du public, elle y va pour le reste. Bien sûr, pour le jeu. Allez. Oh non, elle a failli lancer le geste de fou. Elle est vice-championne de France, elle le sait. Jeune cadette première année. Et qui finira, quoi qu'il en soit, sur le podium des championnats de France. Et à ce stade, on pourrait arrêter la compétition. Là, le classement est fait. Mesdames et messieurs, Fanny Gibert est pour la 4e fois de sa carrière. Et pour la 3e fois d'affilée, au même titre que François Kayser, championne de France, Fanny Gibert n'est pas encore rentrée pour son dernier run.
puisqu'elle est déjà championne de France. Elle va donc nous régaler. Est-ce qu'elle va complètement écraser la concurrence et signer à nouveau le top, le sommet? La voilà. La voilà, au pas de course. Fanny Giner, la légende. Et voilà, annoncée comme la légende, effectivement. À ce stade, bien regardé. Elle est déjà devant. Tout est en vert, tous les signaux sont en vert. C'est juste pour le spectacle et pour le plaisir. Allez. Elle sait à l'heure qu'il est. Elle est championne de France. Elle a failli nous faire une Manon Illy en à vue. En ramenant. Elle est bien dans la concentration. Allez. Oh. Eh ben, dis donc. Elle veut. Elle veut griller un peu les étapes là. Elle met trop de. Eh ben, Manon et Naïlé ont fait directement avec la prise de zone. Et sinon, les premières faisaient avec la prise en épaule juste entre les deux prises. Elles faisaient un arrêt en épaule sur la prise du milieu. Et ben là, c'est là qu'elle a eu raison de se battre jusqu'au bout. Mais bon. Oh. Oui, parce que en fait, il y a trois possibilités. Soit s'arrêter sur la première prise. Les deux mains sur la première prise. Celle qui est quasiment à cheval sur l'arrêt. La première sur laquelle il jette. Mm-hmm. S'arrêter sur celle-là. Soit prendre celle-là et jeter directement sur la prise de zone, soit prendre la première prise et aller en épaule sur la prise qui est juste à côté pour s'arrêter. Trois méthodes différentes. Allez, mesdames et messieurs, elle rentre définitivement dans l'histoire avec quatre titres de championne de France. Bah, dis donc. Donc là, elle donne tellement d'élan qu'elle se fait embarquer et elle tire pas sur les prises. Est-ce que tu penses que là, mentalement, le fait de savoir que le match est fait, elle est moins concentrée? Je sais pas, mais je pense qu'elle va réussir. Ouais. Allez, grand merci donc encore une fois à toutes les forces vives ici, aux bénévoles. À tout le comité d'organisation, aux équipes de la fédération. Je crois qu'en France, de souvenirs. Un grand merci à nos spectateurs et à MB Live TV qui nous accompagne donc dans cette retransmission. On espère que c'est une histoire et qui va s'écrire à partir de maintenant sur de nombreux événements de l'escalade. Bravo. Bravo Fanny. Allez, une minute pour aller inscrire 100% de vert au tableau d'affichage. Et elle va finir avec une démonstration à la Baconnière. Allez, laissez des messages donc sur la page Facebook de la FFME. Regardez ce gros plan. Grand merci à Festivisuel donc qui assure la régie. Yes. Et ça, c'est intelligent. C'était grave intelligent de jouer comme ça. Oh, mamma mia. 30 secondes. Dommage. 30 secondes et ça va être compliqué. Allez, 30 secondes, elle ira pas. Elle mais va jouer, elle va jouer. Elle va faire le jeu. Immense merci à toutes les équipes donc. À Christopher qui est en train de mettre le feu à la salle. Merci Cécile, c'est à chaque fois un plaisir de t'accompagner et de s'enrichir de tes commentaires. Allez, allez. Pour les dernières secondes. Ovation pour la championne de France. Championne de France, 4 fois championne de France, 3 fois d'affilée, mesdames et messieurs. Oh, regardez, elle va assurer le spectacle. Elle va assurer le spectacle. Oh, allez, c'est bon. Ça, c'est toute la noblesse des athlètes de ce sport. Et ça, c'est pas beau, ça, c'est le respect, le respect du public. Et nous applaudissons également. Et elle finit en héroïne. Et oui, merci. Et voilà. Oh là 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 là. Merci à toi.
Et bravo, félicitations. Allez, on retrouve tout de suite Hélène Janico, Nelly Ménian et Fanny Gibert pour les interviews avec Christopher. Et puis, voilà, donc Fanny Gibert qui aura en demi-finale et en finale inscrit que du vert en demi-finale et seulement un petit peu de rouge, un seul top non validé. Bravo Fanny. Bravo Fanny, ouais, super. Allez, on va laisser donc les athlètes rejoindre les coulisses et c'est Christopher qui va les interviewer. Voilà. Et merci à ce public nombreux. Si on peut avoir une dernière image de la salle qui se vide, magnifique image là de Fanny Gibert, et pour vous montrer l'engouement pour l'escalade. Regardez, tout ça, ce sont, je pense que la Baconnière, ce sont 3000 habitants, même pas. 100 habitants, me dit Manu Cornu, qui vient se glisser ici. Et ben voilà, je pense qu'on les avait tous dans la salle. Tout le monde était là, ouais. Et même plus. Allez, dans 5 secondes, on passe le micro donc à Christopher pour les interviews. Vous entendez les copains là sur Internet. Et derrière vos écrans, là, du bruit pour Hélène Janico. Non, mais c'est un truc de ouf. Hélène, déjà, tu nous as fait rêver l'année dernière sur la DIF. En finissant bien, non mais c'est vrai, au championnat du monde, en arrêtant ta carrière. Et là, le bloc, troisième marche du podium. Alors, tes impressions sur ces championnats? Je sais pas, j'ai réussi à bien grimper. Je savais que ça me conviendrait plus ou moins bien, parce qu'il y avait quelques dalles. Du coup, je me suis dit, je peux peut-être aller en demi. Voilà, et puis je me retrouve en finale. Au final, je fais pas les dalles, je fais les jetés, ce que je sais pas faire. Donc voilà, je me suis donnée à fond et je suis contente que faire troisième. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est le secret finalement? Parce que bon, voilà, là tu dis j'inverse, tout ce qui devait me convenir me convient pas forcément, tout ce qui me convient pas me convient. Est-ce que c'est le fait finalement de se dire allez, j'arrête tout et ma vie devient professionnel, entraîneur, ouvreur? Et là d'un seul coup, bah évidemment, avec tout le talent que tu as, tout explose? Bah, je sais pas, je pense que déjà j'ai beaucoup moins de pression que les autres athlètes, ce qui me permet en bloc d'aller me battre pour une zone au lieu de me battre pour un bloc. Du coup, ça, c'est par exemple dans un demi, c'était un gros avantage. Je passe parce que j'ai fait la zone du 3 et que je me suis battue pour cette zone. Je pense aussi que je me fais énormément plaisir. Je sais qu'entraîner les jeunes, je suis obligée d'analyser des mouvements qu'à la base, je ne sais pas trop faire pour leur expliquer, pour leur faire comprendre. Et je pense que ça, moi, ça m'aide dans ma pratique au final d'avoir cette analyse qu'au final, j'avais peu avant. Voilà. Et après, bah, je ne grimpe pas beaucoup, mais je me suis entraînée pendant des années et mine de rien, bah, j'ai quelques restes. À fond d'entraînement. Merci Hélène, félicitations franchement pour ta troisième place, c'est énorme. On a eu un plaisir fou de te voir grimper et elle ira pas en équipe de France. Merci Hélène. Bon alors là, la deuxième rockstar de la soirée et du week-end, Nayle Ménian, viens là. Alors en plus championne d'Europe, alors je rappelle, championne d'Europe, vainqueur du classement général, vice-championne du monde. Et là ça faisait, alors moi ça fait 19 ans que j'anime le bloc, ça faisait au moins 10 ou 13 ans qu'on n'avait pas vu une cadette revenir sur le podium. Nayle, tu dois être ravie. T'as failli partir pour le titre. Hein. Ouais, bah, je suis super contente de ma deuxième place, mais je pense comme un peu tout le monde, on est toujours un peu frustré de... Bah, y a toujours un peu de frustration. Là, c'était plus pour les blocs, blocs 3 et 4, mais bon, je suis quand même super contente d'être vice-championne de France. Et alors, et si tu vas confirmer, on se retrouve tout à l'heure, on était en isolement avant la compète, et je te disais, tu peux le faire. Et tu me disais, ouais, non, mais elle est quand même large. Est-ce que tu t'es rendu compte au fond de toi que tu pouvais arriver à faire un truc comme ça? Ouais, bah, peut-être qu'au fond de moi, je le savais, mais enfin, là, c'était super agréable parce que j'ai réussi vraiment à mettre dedans et à ressentir les bonnes sensations. Du coup, bah, j'étais super contente, quoi. Bon, t'as fait de la gym, je le dis, et puis surtout, est-ce que t'as des remerciements à faire à la famille? Parce que les Ménians, vous n'êtes pas comme les autres. Tous les frères étaient bons. Nina, enfin tout ça. Et puis les parents, il y a beaucoup d'investissements autour de vous. Ouais, bah, je remercie ma maman et mon papa qui m'ont toujours soutenue pour l'escalade. Ils m'ont emmené partout et tout ça. Puis mes frères et sœurs pour m'encourager et me soutenir. T'es fière d'être sur le podium des seniors à ton âge? Quel âge? C'est 16 ans? Ouais, j'ai 15 ans. Mais ouais, je suis super contente du coup. C'est trop cool.
Bon, elle est belle, elle a le sourire. On voit, on la laisse tranquille. Bravo, Naïlé. Chapeau. Félicitations. Ah, une de nos stars, hein, évidemment, qui va nous ramener. Alors là, on parle d'olympisme. Je vais vous dire, avec des petites jeunes comme ça, c'est énorme. Et puis, voilà, bah, la chef, la capitaine, la reine, elle a tenu son rang. Et pourtant, le début, et c'est beau finalement pour le spectacle, parce que la jeunesse qui te met la pression, mais à la fin, bon, bah, l'expérience. Et puis, tu as tellement été forte sur ce week-end. Ouais, ouais, c'est fou parce que enfin, chaque compétition est différente. Et même si bah, je gagne, ça fait 4 fois que je gagne, à chaque fois, ça me paraît incroyable. Et le niveau, il est toujours plus haut. Et il y a plein de jeunes super fortes. Donc, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça me tenait beaucoup à cœur. Et ouais, c'est incroyable. À chaque fois, on part en larmes et tout. Parce que tu dis 4 fois. C'est, je crois que c'est 3 fois d'affilée. Une fois, tu avais gagné, puis après, Clémentine avait pété le règne. Et après, tu es revenu 3 fois d'affilée. Je voudrais remonter à l'époque de l'escalade. Je crois que 3 fois d'affilée, c'est Sandrine Levet ou, et encore. Ouais, je sais pas. J'ai regardé un petit peu une semaine avant la compète, des potes qui me disaient « Ah, mais il y a qui a fait ça déjà ?» Et je sais pas, je crois qu'en bloc... Peut-être jamais fait. Ouais. Et alors, l'ouverture. C'est comment l'ouverture pour les filles? Ça a été très dur pour les mecs. Comment tu as trouvé cette finale féminine? J'ai trouvé que tous les blocs du début à la fin de la compète étaient vraiment hyper complexes. Et chaque fois, ouais, c'était, fallait s'employer, trouver des méthodes et exigeants. C'était vraiment hyper intéressant et ouais, vraiment super. Des beaux blocs. J'ai pas tout aimé, il y a des trucs qui étaient vraiment très inconfortables du coup. Mais c'est ça qui est important aussi, de savoir se mettre à fond, même dans des styles qui nous conviennent pas. Mesdames et messieurs, pour la 4e fois de sa carrière dans l'histoire de l'escalade de bloc, Fanny Gibert, championne de France, vous pouvez l'applaudir derrière vos écrans. Bravo Fanny, tu ramènes le titre, on va faire les podiums dans un instant. Et je vais vous rendre l'antenne du côté de filles et je vais faire venir les filles pour les fleurs. Et puis après, j'espère que vous êtes régalés, hein, Cécile et Philippe. Évidemment qu'on s'est régalés, on a même eu l'ambiance de la salle. Voilà les 3 championnes à qui l'on remet les fleurs, et c'est sur ces images-là, Cécile, qu'on se dit à la prochaine fois. Encore une fois, merci beaucoup. À bientôt, merci. Et merci à toutes et à tous derrière vos écrans. Bravo. Championnat de France de bloc présenté par EB. Au cœur de l'action avec Au Vieux Campeurs.